Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau GP, GP de Singapour, et je suis toujours en compagnie de Jadon, c'est le Jadon. Bonsoir à tous. Et oui, toujours là, c'est bon, c'est fait, c'est le streamer qui co-castera avec moi la Liga pendant toute cette saison. Bon alors, est-ce qu'on cherche un autre co-caster? Pour l'instant non, ça va, après si quelqu'un veut, on verra, mais en tout cas pour l'instant ça me va très bien avec Jadon, mon nouveau meilleur co-caster. Et je veux dire, pourquoi on le verrait pas?
Pourquoi on le verrait pas? Eh ben écoutez, hop là, c'est parti. Oh là 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 là, Jardot incroyable. Attends, vas-y, on se fait un check. Attends, de l'autre côté. On se fait un check. Attends, c'est par Attention, là? l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté. Par Attends, là? 1, 2, 3, clac. Ouais, enfin incroyable. Oh là, c'est Incroyable. comme si on était côte à côte quoi. Enfin vraiment, c'est waouh, la magie d'internet maintenant, c'est fou. On est connecté. Comment ça va Yuki? Comment ça va Rob Gaming? Comment ça va Assassino? Comment ça va Yuki? Comment ça va Mika? Tout le monde commence à arriver un petit peu. On va peut-être monter un tout petit peu ce petit micro là vite fait. Ah, c'est bon. J'espère un peu voir casser les oreilles. En tout cas, on est de rendez-vous avec Singapour et Singapour, un grand prix, comment dire, technique. Technique, technique. Bah écoute, je crois que la meilleure personne qui peut en parler, c'est toi, mon petit Jardon qui a fait une course il y a très peu de temps. Vas-y, parle-nous-en. Oui, j'ai fait la course juste avant. Donc c'est vraiment un circuit où la précision prime sur la vitesse. Même si la vitesse reste importante, bien évidemment. La moindre faute d'inattention, c'est soit une roue dans le pire des cas, soit un aileron dans le meilleur des cas, avec les murs qui sont très proches de la piste. Donc la track position est très importante sur Singapour. C'est un peu comme Monaco. Faut être devant et espérer que tout se passe bien. Eh oui, salut Mika, salut Youmad, merci beaucoup. On voit une meilleure course que la Ligue B. Bah écoute, la Ligue B, ça va, enfin, hein, qu'on y a. La deuxième course de la Ligue B, ça a été. Bon, voilà, bon, La première était compliquée. il a fallu avoir une petite remise comme ça, mais bon, c'est pas trop grave. Alors, peut-être que mon crâne va être un peu, comment dire, coupé. Je sais pas, je vais peut-être reculer un tout petit peu. Je vais peut-être. Hop, on va reculer un tout petit peu. Ça va, hop. Oh là! Les soucis du. Comment dire? Du direct. En tout cas, moi, je suis très heureux d'avoir cette course parce que moi, c'est un gars. Oh, est-ce que je me suis mis en spectateur? J'espère. Ça va être cringe. Oui, c'est bon, intense. Wouh! C'est bon, let's go. En tout cas, j'ai un peu peur. On peut peut-être se rappeler le classement avant que les premières personnes arrivent. Je vais vous montrer ça, le petit classement. Parce que le classement, ben, en première place, on a Shipper avec quand même 72 points devant George 58, Varkir 47 et Nekiz 46 points. C'est serré, mais on sent quand même déjà que mon shipper a fait hein, pour l'instant un hold-up hein, avec 36 points à chaque fois. Toi, est-ce que tu penses que Shipper va faire la troisième victoire d'affilée? C'est possible, comme il l'avait dit en stream la semaine dernière, il avait dit qu'il était très à l'aise sur Singapour, George aussi, donc il y a moyen que la victoire se joue entre ces deux-là qui sont pour moi les deux plus gros prétendants au titre pour l'instant. Et oui, et surtout que, comment dire, là, ce qui va, comment dire, ce qui va, salut BG 2K, mais oui, et oui, et oui, 2K, mais oui, parce que moi, voilà, nous, en Liga, on fait du travail de qualité, il y a deux co-casters, il y a deux casters, 2K, voilà, je veux dire, voilà, c'est un travail de qualité, let's go Mercedes, for Sparta, et Sparta, on peut aussi en parler de Sparta parce que, comment dire, alors juste mettre mes petits détails là, hop, pneus, télémétrie, on va les mettre comme ça. Alors, pas à part la télémétrie parce que j'aime pas avoir la télémétrie en podcast. Hop. Ah, j'ai pas de son. Pourquoi j'ai pas de son? Ah, c'est bon. Donc, c'est Tex qui va commencer et comme je disais, Sparta, c'est un beau débat parce que, comment dire, il a mis ses premiers points. La semaine dernière à Bahreïn avec sa troisième place, mais il est encore un peu loin du top 3. Alors toi, est-ce que alors bon, tu connais pas trop son d'expérience parce que tu viens d'arriver sur le Discord quand même, j'ai raison. Mais est-ce que tu penses que toi, Sparta, c'est un pilote qui va remonter? Je pense que Spartan est un pilote qui va remonter parce que je vois qu'il est très régulier. Il a rarement des problèmes en course. Je pense que sa précision peut aider dans pas mal de circuits. Donc, si devant ils ne sont pas à la hauteur par rapport à Sparta ou s'il y a un petit accrochage, Sparta peut remonter
assez rapidement. Oui, bah, de toute façon, enfin, voilà, je vais te demander pour voir ton avis, mais moi, voilà, je sais que voilà, Sparta, c'est un pilote d'expérience maintenant. On est à sa 30e saison sur la BMW, donc voilà, mais, mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il fait peu d'erreurs. Et bah, il a fait, voilà, il a fait entre guillemets, une grosse erreur à Spa, comme beaucoup de gens. Et donc ça l'a pénalisé. Et attends, et je vais me couper parce que ça va être parti pour le tour de Gary King. Allez, on est parti. Donc première ligne droite à Singapour. Et là on a un gauche droite gauche très très rapide. Premier, deuxième virage. Attention à ne pas spinner, à ne pas couper. La réaccélération elle est très importante pour se lancer dans le quatrième virage, qui lui va être encore plus important parce qu'on est parti pour la plus longue ligne droite du circuit. Une premier DRS possible. Sans compter bien sûr la ligne droite de départ arrivé. Gros freinage, grosse possibilité de dépassement au cinquième virage. Et Bouzov qui abandonne directement. Terrible, on l'avait dit. Barker aussi. Et Barker aussi, et deux Mercedes out. Mais qui... Hein. Et deux Mercedes out. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, mais oui. Contact entre les coéquipiers. Oh là 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 là, ils ont voulu peut-être se donner l'aspiration ou une mauvaise... Oh là là, Toto Wolff qui doit être fou de rage. Oh là Bouzov là là là. Bouzov qui n'a toujours pas marqué de points. Bouzov qui n'a toujours pas marqué de points et qui dans 3 Grands Prix, s'il ne fait rien, va peut-être descendre. Hein. D'ailleurs, il y a quand même 6 pilotes à 0 points. Ah c'est... Et on... Parce que oui, pour vous dire, il y a 10 GP par saison. Bon, vous voyez... Ah non, c'est marqué 9, d'accord. Oui, mais 10 GP par saison, c'est le 3 sur 10. Mais... après le 5e Grand Prix, il y a une trêve d'une semaine. Et là, il y aura des descentes et des montées. Explique-nous un peu la continuité de cette descente-montée, si tu sais. Bah, les 3 premiers de Ligue B... monteront en Liga avec ils auront un pourcentage de points qui sera effectué pour à peu près égaliser le niveau en Liga, et les trois qui descendront auront un pourcentage, mais cette fois-ci sur l'augmentation, afin de être au niveau de la Ligue B. En effet, c'est sûr, voilà, c'est ce qui a été testé en Ligue en PS4 depuis 2 saisons, si je ne me trompe pas, et ça marche très très bien, et c'est vrai qu'au moins ça équilibre les ligues, et c'est vrai que bah au moins on n'a pas à attendre toute une saison pour voir qui pourrait être premier. Et là, pour l'instant, il y a Shipper en médium qui nous fait le meilleur temps. Je pense que c'est quand même à noter quand même. Hein. 1.36.257, c'est assez rapide quand on voit Wears qui se qualifie d'habitude. Oh là là! Ouh! Drix qui a failli éclater son pneu juste avant le tunnel. Il a cassé son aileron, mais rien de plus. Attention, est-ce qu'il va finir son tour ou pas? Non. Il va pas finir son tour, il va directement rentrer. Disportac a annulé son tour et Asmode. Donc bah bon, déjà on sait normalement qui sont les deux derniers, les deux Mercedes. Bon, au moins il va y avoir du spectacle, hein, parce que les deux Mercedes derrière, au moins il va y avoir, parce que Varkir qui est dans le top 3 hein, quand même. Hein. Ah, donc bien, troisième. Donc avec là 47 points. Je veux dire, ok génial. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu au-dessus ce qui s'est passé. Bug pour Bouzov. Ok, j'ai pas vu. On regardera ça entre la qualification et la course. À part si tu peux peut-être regarder Jardon, peut-être sur le chat le clip. Je ne sais pas. On va voir. Pierre, je sais pas. En tout cas, Asmode qui fait son tour, lui. Asmode qui fait son tour et qui c'est qui a pas encore fait son tour. Norzen n'a pas encore fait son tour. George, Acta, Demeta, Asmode, Sparta, Drix et Sauzor Matt. Pour l'instant, pas beaucoup de tours. Il y a deux personnes qui ont testé les médiums, Shipper et Tex. Et pour l'instant, il y a. Shipper s'est en sorti un peu plus gagnant quand même. Hein. Moi, je vais pas dire course gagnée, mais entre guillemets, s'il part en médium et qu'il part en pole position. Après, attention, hein, parce que. Il n'y aura qu'un arrêt à faire. Singapour, voilà, c'est. Il faut être concentré à 100% à chaque tour. Hein. Bien sûr, mais sans problème, la stratégie. Optimale, ah, c'est le 7e temps. C'est quand même
medium et hard qui est largement possible. Et je mets ma caméra sur Acta parce que... Ah non, il y a Sozormat qui s'entoure. Sozormat, alors Acta qui a fait sa course en Ligue B, qui s'est entraîné en Ligue B avec les petits juniors et qui s'est soldé par soit un vol plané, soit un abandon tout seul. Donc on va voir ce qu'il va faire, mais en tout cas Acta qui ne part pas gagnant dans ce Grand Prix. Et donc on va prendre le tour hein, de Singapour avec Sozormat. Donc après on part avec ce sixième turn. Et là on part dans un secteur un peu plus sinueux. Secteur 2 qui est quand même un peu sinueux et avec peu de possibilités de dépassement. Hein. On a vu des gens qui se battaient dans ce secteur mais c'est quand même compliqué de dépasser. Faut vraiment avoir des balls énormes. Et là, attention, parce que là, c'est tout seul qu'on peut se casser. Là, à l'accélération. Oh là là! Oh lolo, Sozormat! Et c'est bon, l'aileron qui est parti. Terrible. Là, on a notre deuxième zone de DRS. Mais bon, on la verra pas. On la verra peut-être avec Acta, qui va commencer son tour bientôt. Azmod, qui a eu son tour ruiné à cause de l'accident de Sozormat, qui était juste derrière. Aïe. Après, est-ce qu'il rentre pas au stand là, Azmod? Il rentre au stand. Il vient de faire son temps, je crois qu'il rentre au stand là. Sinon, tu peux le voir avec la télémétrie, je crois. Avec la télémétrie, tu peux le voir s'il est en tour lancé ou pas. Oui. En fait, tu vois s'il est en mode. S'il a déjà la moitié qui est déjà fini ou pas, etc. Ouais, et surtout, tu vois qu'il a déjà un tour sur ses softs aussi. Ouais, je l'ai vu en place. Par contre, Shipper et Tex qui repasse en soft. Attends. Non. Meilleur tour. Pneu. Ouais, c'est ça. Ouais, il repart en soft. D'accord. Donc, Shipper qui ne pense pas que son temps est assez pour peut-être faire. Enfin, je serais Shipper, je ne ressortirais pas en soft quand même. Pas pour le moment. Hein. Il reste 9 minutes. Peut-être ressortir à la fin. Ah non, mais il est encore dans les stands. Il est encore dans les stands. C'est juste qu'il a mis les softs pour l'instant, d'accord. Il a mis les softs, mais. Donc on va partir avec Acta sur le... Peut-être qu'on va encore enfin finir un tour complet. Donc voilà, donc là, deuxième zone de DRS, ou possibilité de dépassement aussi. Un peu moindre, hein. Il y a un peu moins de gens qui dépassent à cet endroit-là. Mais c'est possible. Et là, après on part sur le secteur 3, qui va être vraiment sinueux. Où là, vraiment, ça va être personnel si on casse. Et surtout cette entrée du tunnel, qui est vraiment compliquée. Hein. De toute façon, on le sait. Ton ressenti Jardon sur ce circuit, c'est où l'endroit le plus difficile pour toi? Pour moi, c'est l'épingle au niveau du gate, au niveau du pont. Ouais. Parce que je pense que un mauvais freinage est très vite arrivé avec la vitesse qu'on a. Donc je pense que c'est plutôt cette épingle là. Oh non, il a annulé au dernier moment, Acta! Terrible! Acta qui a annulé au dernier moment! Aïe. Mais oui, c'est vrai que, comme tu le dis, le pont, c'est vraiment... Bouzam a eu un bug au niveau de la pitlane en perdant les roues de la voiture. Je sais pas, j'ai pas vu. Spartak, il va bientôt finir son tour. Sparta, ok. D'ailleurs, petit tips, si la map en bas à droite, elle est rouge, c'est qu'il a annulé son tour. Aussi. Ouais. Je sais pas si je savais. C'est Tex qui a pris un meilleur temps. Et Sparta, meilleur tour. On en parlait. Acid. Il est quand même à 6 millième de Shipper qui reste au stand. Il a raison. Il est encore médium deuxième. Je trouve que c'est très bien de rester en. Et je crois que c'est. Il a pas besoin de ressort. Ouais, Nanzem qui a fait un temps, je crois, ouais, ça. Et George qui a fait un tour. Et George qui finit son tour. George qui finit son tour. Et qui va se classer premier. Oui. Oh là là, ça s'est fait. Georges qui nous apprend des choses. C'est Georges qui nous a dit que là, pop. Sparta 6 millième. Moi, je mets 2 dixièmes, les mecs. Je mets 2 dixièmes. M'en bats les couilles. Incroyable. On va être sur... Vas-y. Par contre, Shipper a fait son temps en médium. Il lui met 2 dixièmes, la mais... en médium. Oh non, dans le mur. Dans le mur de Gate. Juste derrière Drix. Ah, et Tess qui abandonne aussi. Qu'est-ce qui se passe dans ce gate? Attends, une... Vite. Overlake. Aïe, attention à ne pas... Oh là là, la nique. Ah, terrible. Et c'est quoi? C'est une... C'est sur Selim? Non, c'est l'autre. Elle est où? Oh non, Nekiz! Nekiz, non! Oh là là, attention. Qu'est-ce qui se passe? Faire un tour en piste.
Ouh là 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 là, ouh là 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 là, ouh là 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 là, qui est-ce qui va faire des keys? Faire... Non mais voilà, contresens, il fallait faire un tour en piste là-dessus. Aïe aïe aïe, mais pourquoi il a fait ça? Oh là là, wow, oh oh là, non, qui rentre dans ma mochon. Ah, ma mochon qui s'est fait pulvériser, incroyable. Heureusement qu'il était dans son tour de sortie. Et heureusement, il a pas abandonné ma mochon. Ah il ouais, a réussi à se heureusement. Sortir. Et Sosamad qui fait son tour lancé. Sosamad fait son tour lancé. Oh, qu'est-ce que c'est ça, c'est... Oh là 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 là, mais c'est un gap pour qui... Ah oh, bah non, mais qu'est-ce qu'il nous fait, Sosamad? Pas Soser, ok. Des il n'y a plus que Akta et Sosamad qui n'ont pas de temps. Et qu'est-ce qu'il fait, Georges? Il y a pas avant un tour, déjà? Attends, il a eu le temps de rentrer au stand et de refaire un tour, là? Ah, annulé, terrible. Il annule. Céline non plus, Ovek non plus. Est-ce que quelqu'un sort des stands? Non, Derix non, Demeta non plus. Bon, en tout cas, pour l'instant, on a un George, Sparta, Shipper, Wear, Selim, et donc radé niveau pneu. Il n'y a que Shipper pour l'instant qui va partir en médium dans le top 10, en tout cas. Je pense pas qu'il va ressortir même vers la fin non, de la non, qualification. Non. Au pire, il part quatrième, mais au pire, il a salut SR. Et non, même pas, il part troisième, pas quatrième. Oui, mais déjà, au pire, même s'il part quatrième, au pire, oui. Ça va quoi, je veux dire. Je pense que jusque dans le top 5, partir en médium, c'est largement correct. En effet, t'as tout dit. Et donc pour l'instant, il n'y a que Acta qui est en tour de sortie, donc bon, on va aller sur lui. Hein. Et il y a aussi au championnat constructeur que ça joue les performances de George et Shipper. Parce que Aston est premier à 91 points et Red Bull suit derrière mais à 64 points, 30 points d'écart. Ah bah après en constructeur ça va très très vite. Hein. En constructeur il suffit d'un doublé pour que ça parte très très vite. Hein. Hola The Geeks, comment ça The Geeks? Incroyable. Bon, pour l'instant, en tout cas, bah là, tout le monde attend le... Oh non, ah, non, j'ai cru qu'il avait encore annulé, terrible. Hein. J'allais commencer à m'énerver. ah, ça va ressortir. Je suis pas sûr qu'il aurait eu le temps de rentrer et de ressortir. Oh, si, hein. si. Je pense qu'il aurait... Oh là, qu'est-ce qui se passe, drapeau jaune? Non, ça va. Bon, allez, Acta, un tour safe. Ah voilà, quand tu vois aussi que ton coéquipier est premier, ça doit quand même mettre la pression quand même. Hein. Je pense que quand même, ça doit être terrible de voir son coéquipier premier et soi-même ne même pas avoir fait un temps pour l'instant. Ouais, toi bah, est-ce que tu attaches beaucoup d'importance à ton coéquipier? Bah oui, moi je sais que bah, d'ailleurs c'est The Geeks qui est dans le chat, mon coéquipier. Ouais. Et je sais que bah on cause beaucoup. Oh là 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 là, il casse encore son aileron, Acta, terrible, vas-y. Et oui, bah c'est important parce qu'on se donne les infos. S'il est d'un côté du circuit et que moi je suis de l'autre avec les arrêts au stand, etc. C'est comment c'est important de savoir ce qui se passe sur le circuit. Si on peut prévoir une safety car, prévoir un accident. Donc c'est quand même un ami, mais est-ce que c'est aussi un ennemi quand même? Est-ce que c'est ton premier rival aussi? Est-ce qu'on peut dire ça quand même? Bah oui, je pense parce que ah bah Acta qui abandonne son tour là. Mais du coup il va pas faire de chrono du tout. Bah non. Mais là et là surtout que s'il fait pas de tour, peut-être qu'il va être derrière Bouzam et Varki, hein, parce que des fois le jeu intervertit, hein. Déjà, vous avez marqué, on gagnait une place grâce à Nekis qui s'est fait disqualifier. C'est les Navy. Another Matt qui est en tour de sortie, qui va peut-être essayer de faire enfin un chrono. Ouais, là, je suis en train de suivre Demeta. Et là, tout le monde est en tour de sortie. Tout le monde est en tour de sortie. Et Another Matt qui avait spin dans le gate. Ah, non, mais là, c'est le tour de la dernière, même pour Asmode, hein. Asmod qui est très très lent par rapport à son coéquipier. Là vraiment, chez Aston Martin et Red Bull, on a vraiment un leader et un second, hein, on peut le dire. Oui, bah comme dans la réalité en 2019, quand Albon était chez Red Bull. Oh, Acta qui abandonne dans les stands, il ne peut pas pouvoir faire de temps.
Et pour l'instant, des méta qui améliorent de 7 dixièmes, ce qu'il ferait aller à la presque 9ème place. C'est top 10 pour l'instant pour des méta. Hein. Attention, il va arriver au tunnel. Allez, on met bien tunnel, accélération, sécurité. T'as déjà 7 dixièmes d'avance, mon grand. Sécurise, sécurise. Allez, maintenant, donne tout, donne tout, donne tout. Vas-y, méta. Et attention, des méta. 4ème place pour des méta. Juste derrière, on a Shipper en tour de sortie. Donc, c'est pas pour l'instant qu'on va le voir faire un tour. Overleg, pareil. Après, c'est notre. C'est Asmode après. Oh non, Asmode qui a touché, je crois. Allez, déjà plus 4 dixièmes. C'est terminé pour Asmode qui ne va pas améliorer. Norzem juste derrière. Norzem juste derrière. Qui est déjà à une 24, une 28, 30. Attention, est-ce qu'il va améliorer? Et non. Ah si, il améliore de 4 dixièmes. Et c'est... Oh là là, attendez, c'est Selim. Selim qui a amélioré, 4ème place. Il vient de prendre la place des méta. Incroyable. Wers, attention. Il n'y a pas de changement de classement, donc c'est bon. Oh là, Wers qui touche le mur. Quel dommage. On a quoi après? Mamochon. Un mochon qui améliore de 4 dixièmes. Selim qui est disqualifié pour contre-sens, qui doit avoir fait la même chose que Snakeys. Selim qui perd sa 4ème place. Les deux AlphaTauri qui font la même erreur. Quel. Oh là, c'est terrible. Mamochon 11ème. Sozormat qui arrive pour finir son tour chrono. Mamochon 11ème. Là, fait juste un temps. Sozer, faut juste faire un temps. Sozer, faut juste faire un temps. Vas-y, mon grand. Je crois qu'il a le monde cassé. Hein. C'est bon, c'est bien, c'est pas grave, il a juste fait un temps, il est 14ème, c'est très très bien. Qui c'est qui a pas encore fait de temps? Shipper qui va finir, Shipper qui va finir. Je pense qu'il va freiner avant la ligne d'arrivée. Afin de garder ses pneus médiums. Attention, Shipper qui va... Et voilà. Ouais, c'est bon, ouais, Shipper qui abandonne. Aspartak qui a annulé son tour, terrible. George qui améliore encore une fois. Et Overlay qui met du longtemps. Incroyable! Overlay qui prend la première place! Mais attention, parce qu'il y a Georges qui a une heure de 1 dixième! Attention! Ah, ça va être très très serré! Est-ce qu'il va réussir à le battre? Ça va être très très serré, on va être en on-board pour cette fin, cette fin de secteur! On a aussi une autre. Et Asmode qui prend une place! Oh, Asmode qui prend la 12ème place! Attention! Attention, parce qu'on a aussi, je crois, c'est qui? Non, on a personne d'autre! On a personne d'autre, il ne reste plus que Georges! Georges qui finit son tour, attention! Flat out, est-ce qu'il va y arriver? Ah ouais, attention, l'accélération! Quelques dixièmes! Et c'est le meilleur temps! Pour 2 dixièmes, 1:35.7! Georges qui dégoûte la concurrence! Incroyable! Incroyable! Oh là 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 là! Mais même si Georges part en pole position, le mieux placé actuellement c'est Shipper! Ah, Shipper qui est 4ème en médium, en effet, tu fais très bien de le préciser parce que c'est le seul qui partira en médium dans le top 10. Norzem qui est vraiment la coqueluche du groupe, 10ème avec ses softs, a pour seulement 3 millièmes. C'est terrible, hein, c'est terrible. La place du bouffe. Oh là et là d'ailleurs, là là les deux Ferrari se sont qualifiés dans le top 10, si je me trompe pas. Et actuellement, aucun des deux n'a marqué de points. C'est vrai. Demeta et Lokinovic qui... j'ai bien dit pour la première fois, incroyable. Et c'est serré hein, quand même. Hein. Je veux dire, bon, les deux premiers sont hors catégorie, mais juste après, c'est vraiment super serré. Hein. Quand on regarde, il n'y a que 2 centièmes entre Lani et Lokinovic. Pareil, je veux dire, il n'y a que 6 centièmes entre Demeta et Wears. C'est vraiment, il y a vraiment... Il n'y a que 6 millièmes entre Sparta et Shipper. Ouais, comme tu le dis, c'est que... Bah, et que 3 millièmes, non j'ai déjà dit, entre Mamochon et machin, mais bon, après c'est un peu la décadence. Hein. Après on voit que l'entraînement n'a pas été très bien. En tout cas, Shipper qui... Ozermatt qui est très très loin, mais je pense qu'il Shipper devait avoir un aileron de cassé, mais qu'il voulait faire un temps quand même. C'est vrai, ouais, tu fais très bien de le préciser, parce que oui c'est vrai. Comment dire, Ozermatt qui devait juste faire un temps pour être au moins devant tout le monde. Ceux qui ont abandonné, ceux qui ont souvent disqualifié, etc. Quoi. Au moins ça c'est fait. On va aller prendre... celui qui perd gros dans l'histoire, c'est Selim. Selim qui c'était 4ème ou 5ème se fait disqualifier. Mmh. Ouais, c'est très très juste ce que tu dis. Juste prendre. Hop, merci. Donc, je
voulais prendre Georges. Voilà. Boum. Et donc Georges, bonsoir Georges. Ça va? Bonsoir. Écoute, est-ce que ce serait pas une masterclass que tu nous offres là? Ouais, une 35-7, bon, ouais, c'est un bon temps. Mais bon, derrière, il y a Overlake à 2 dixièmes et il y a surtout Shipper en médium. On va voir ce qu'on peut faire, mais ça va se battre, ça c'est sûr. Quand même, bon, t'as quand même mis 5 dixièmes à Shipper et Sparta. Par contre, Overlake, Overlake qui est juste à 1 dixième de toi. Quand tu l'as vu mettre un meilleur temps et que t'as vu quand même, enfin, je pense que t'as quand même vu ton delta, tu t'es dit, est-ce que tu t'es dit, mince, est-ce qu'il m'a niqué quoi? Bah, ça m'a foutu un coup de pression, j'étais en plein tour, en plus je vois ça. Mais bon, après j'avais quoi, 2 dixièmes, j'avais quasiment 3 dixièmes, mais après j'ai un peu perdu, j'étais redescendu à 2 dixièmes, juste ce qu'il fallait pour prendre la pole. Et puis voilà. Hein. Ouais, ça a dû être un secteur 3 assez stressant. Ouais, c'est vrai. Est-ce que. Là, bon, t'as toujours été derrière Shipper. Là, d'être devant, est-ce que ce serait pas ta première chance de la saison de le devancer? Bah, on verra. Hein. Après, on sait que je pense qu'il va avoir des safety cars. Il part en médium, comme j'ai déjà dit. On va voir. Tout peut arriver. Est-ce que tu troisième pole consécutive? C'est vrai? Ouais. C'est vrai. Ouais, la famille Géo, c'est vraiment une famille de qualification. Bon, après en course, on les voit un peu moins, ça c'est sûr. Ah, mais on le voit par rapport au frérot aussi. Hein, voilà, c'est des gens très rapides, mais il en manque encore de la constance. Et c'est ici que, comment dire, qu'ils apprennent. Bon, en tout cas, Georges, je te laisse retourner à tes quartiers. Et on se revoit peut-être dans une heure. Peut-être pour la victoire, on verra. Allez, on espère pour toi. Allez, ciao. Allez, ciao, les gars. Oh, le poulet, bah super. Non, les potes. Ah ouais, super. Ah ouais, ça dégoûte. On va se remettre le classement vite fait. Et pourquoi pas même le classement constructeur, comme tu l'as dit juste avant. Hop. Et c'est quand même très serré au constructeur. On peut Vas-y, voir, présente-nous le classement un peu constructeur, vas-y. Aston qui a 91 points devant Red Bull avec 64 points. Donc on peut voir que Shipper et George contribuent largement. Au point des constructeurs. Alpine 57 points, AS 51, et après c'est Mercedes, AlphaTauri avec 47 et 46 points, Alfa Romeo avec 32 points, je sais plus. McLaren. McLaren, oui, pardon. McLaren avec 15 points et Williams avec 14 points et Ferrari. Bonne dernière avec 0 point, aucun point marqué pour Ferrari. Et quand on regarde au classement, Overlake il n'est que 6ème, et donc là, une performance comme celle-ci lui ferait vraiment du grand bien, et pourquoi pas même lui faire intégrer le top 3 hein, avec des pas très bonnes performances de Varkia qui est déjà dernier, et qui est aussi. Quand on regarde là, Shipper est 4ème, Georges 1er, Varkia dans les derniers, Nekis aussi dans les derniers à cause des disqualifications, Sousermet 14ème, Overlake est dans une très très bonne position. Et il y a moyen pour lui de remonter au moins jusqu'à la 3ème place s'il fait un très bon score. Après, à voir s'il il aura la régularité et si ceux qui sont derrière. Qui auront du coup un arrêt de moins à faire, logiquement selon la stratégie sans safety car, à voir ce que ça va donner. Qui sera le plus rapide, sera à voir. En effet, je mets juste le classement derrière nos webcams, comme ça, hop là, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, on a hâte de voir ce GP parce que bah là, on en est au 3ème Grand Prix. Oui, il faut mettre à jour, c'est vrai que le logo F1 2020, on a passé une année. Mais c'est vrai que, comment dire, le fait que le classement soit bah, déjà aussi serré parce que c'est le début de saison et aussi aléatoire, fait que bah, des petites performances comme ça sont. Un championnat, ça se gagne sur de la régularité. Donc, des personnes qui vont mettre des points à tous les grands prix, à chaque fois, sans abandonner, ou même s'ils ont une casse, entre guillemets, ils pourront accrocher au moins un top 5, un truc comme ça. Ça se voit à la fin, ça se voit à la fin du. Ah, Tess qui a quitté la session. Aïe, coup dur. Ça se voit à la fin du championnat, quoi.
Bah, c'est la régularité qui prime, surtout en Formule 1 où, où chaque point compte. Et là, comme au bout de 5 grands prix, la descente est possible, chaque point est encore plus important. C'est vrai, de toute façon, parce que après, bon, les personnes là qui sont dans le top 5, entre guillemets, je pense, ont déjà leur ticket pour la Liga pendant toute la saison. Attention quand même à pas faire de la merde. Mais je veux dire, quand tu vois, par exemple, même à la réalité, hein, des Norris qui eux sont dans les points presque tous les GP, et bah, le mec est quand même quatrième du championnat, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Oui. Bah, il n'a pas la meilleure voiture. Et il arrive à mettre les points là où il faut, quand il faut. Quand la voiture est performante, il arrive à faire les dépassements pour. Ouais, y a rien à dire. En tout cas, on peut voir niveau pneus que, en tout cas, à partir du top 11, c'est tout le monde en médium sauf AXA et Nekiz qui sont en hard. Mauvais choix pour moi. Mauvais choix pour plusieurs raisons. Dans le tour 1 de Singapour, c'est le bordel. Donc t'es, comment dire, t'as beaucoup, alors déjà que, comment dire, déjà que de base je suis pas fan des hards. Alors en circuit urbain où tu peux casser H24, et surtout au départ, je trouve cette tactique vraiment vraiment presque tout rien, quoi. C'est vraiment soit je foire mon GP, soit je le gagne, quoi. Bah, c'est un pari qu'il faut réaliser. Après, en partant en hard, ils se disent que même s'ils font autant de tours et qu'il y a une safety car ou un problème, ils pourront passer les médiums deux fois. Alors que ceux qui sont en médium, ils devront passer les hard à la fin. Ils auront des meilleurs pneus. Donc, c'est un pari à faire. Je suis vraiment pas fan de ce pareil, quoi. C'est vraiment chez, bon, tout le monde le sait, mais je suis vraiment pas fan. Je suis vraiment pas fan. En tout cas, bah après, Nekiz a pas trop à perdre, qui est dernier, donc lui, il a juste à être à 50 et puis à regarder tout le monde se casser la gueule devant. Mais bon, alors, on l'a pas dit, mais les Alpines, hein, 2 et 3, hein, les Alpines, hein. Les Alpines qui peuvent faire un gros coup, surtout aux constructeurs, étant pas loin derrière Red Bull et pouvant rattraper Aston Martin avec Bah une ouais. trentaine de points d'écart. Là, avec Asmund 12e et Shipper 4e, après on sait que Shipper va peut-être pas finir 4e, mais même faire un 3 et 4, c'est un très très gros point. En tout cas, les pilotes se mettent sur la grille. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On sent toute la. Tout, comment dire, tout, tout, toute la pression sur les pilotes. Et Tex qui n'est pas dans sa voiture et donc qui va partir avec son bot, je crois. Hein. C'est possible. Je sais pas s'il est revenu, j'ai pas vu de. Je sais pas. J'ai pas vu reconnecter. Allez, montez le volume et on se retrouve au bruit virage. Et c'est Oh, c'est un très parti. très bon départ de Shipper! Incroyable! Shipper! Et c'est un très mauvais départ de Sparta par contre! Oh là là! Attention, 4 de front! 4 de front! Oh, c'est sûr! Oh les problèmes! Oh les problèmes! Oh, Shipper qui spin, Shipper en spin! Oh non! Shipper qui va repartir dernier! Oh là 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 là! Shipper dernier! Terrible! Et Overlake et George, Sparta! Qui. Oh George doit non! Oh sourire non! actuellement. Oh là là! La ligne qui abandonne! Oh là 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 là! Oh Oh là là, non! le Oh gros là crash là! Gros derrière! crash! Le gros Gros crash crash! derrière! Gros crash! Oh là là! Safety car! Safety car! Oh my Et goodness! Shipper qui réussit à passer entre tout le monde. Acta aussi. Et je crois que c'est Lani qui a clairement, comment dire, c'est Lani qui a pressé Mamochon, je crois, et Lani est parti dans le mur. C'est terrible. Lani Varkir et Nikes Nikes qui partait déjà dernier à cause de sa disqualification. Et là, regarde, parce que. Là, si la session n'est pas relancée, pour Acta qui n'a vraiment pas de chance, hein, avec ce circuit, si on repart, comment dire, si on repart pas, Nekiz et Varkir, comme je te l'ai dit, qui sont, je crois, 4e, 3e et 4e championnat, n'ont 0 C'est points. ça. Là, Overlake, qui est 2e, a de très bonnes chances de repasser devant.
Mais Sparta aussi. Sparta et Overlake qui et ont Shipper, 31 et 26 points. Là, Shipper 15ème, là, il y a Géo qui se frotte les mains. Là, il doit être très heureux de lui, là. Parce qu'il a speed, mais je sais même pas s'il a cassé, hein. Non, j'ai pas vu. Il a pas touché de pilote. J'étais sur lui, il a spin. Ok, donc il a vraiment spin juste. Sparta au stand! Sparta au stand! Ça va être au départ en 4-2 francs, mon avis. Hein. Oulala, il y a du monde au stand. Demeta, Wears. Après, il y a beaucoup de personnes. Après, oui. Alors, par contre, il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent parce que peut-être ils mettent les médiums pour se dire maintenant, c'est plus qu'un arrêt à faire, tu vois. Oui, c'est possible, c'est grandement possible, surtout que eux. Alors, Demeta qui s'arrête, qui a rejoint son aileron. Wears aussi. Alors, c'est bon, c'est beaucoup de personnes qui changent leur aileron. Hein. Donc, je pense pas qu'il y ait beaucoup de stratégie. J'ai pas vu si Sparta a changé l'aileron par contre. Hein. Il est quand même reparti loin devant, donc je pense qu'il a juste changé les pneus. C'est vrai. Vu l'écart qu'il a mis à Demeta. Ouais, ouais. Donc, Sparta, c'est vraiment un coup de poker sous les pneus. Il a raison. Il a raison parce que c'est un arrêt gratuit. Il tente et son coéquipier va mettre la pression à George. Et maintenant, il en est à la même stratégie que Shipper maintenant aussi. Hein, parce qu'il va être juste derrière Shipper. Il va être juste derrière. Donc là, maintenant, on a au championnat. Sparta et Shipper qui sont sur une stratégie à un arrêt. Et George et Overlay qui sont maintenant devant, qui sont sur une stratégie à deux arrêts. Quelle va être la meilleure? Et celui qui va gagner cette stratégie, je pense, va prendre de très très gros points au championnat. Oui, mais après rien n'est fini. Il y a possibilité qu'il y ait une deuxième safety car. Et s'il y a une deuxième safety car au moment où c'est les médiums, Shipper et Sparta se mettent très très bien. Ouais, ouais. Surtout Sparta car il pourra repasser les médiums au cas où. Mais là où aussi, c'est risqué, c'est que la honte, Shipper et Sparta maintenant vont devoir tout remonter. Bah c'est ça le problème. Et surtout là... que ceux devant ont la même stratégie qu'eux. À savoir, Bouzam est en médium, Drix en médium, Mamochon en médium, Sauzer et Asmon. Hein. Asmon, et il y a Norzem C'est ça. Asmon, qui peut. On peut parler, mais Asmon et Sauzermatt qui peuvent peut-être gagner le Grand Prix. Hein. Ben, ils sont très bien placés à voir si George arrive à faire. George et Overlake d'ailleurs. Si tous ceux en sauf devant arrivent à faire un trou assez grand pour pouvoir s'arrêter et repartir. C'est ça. Faut voir leur rythme de course s'il est aussi bien qu'en qualification. Parce que s'ils leur mettent 5 dixièmes aussi pendant la course par tour, George et Overlake sont vraiment sur notre planète et vont gagner de toute façon. Hein. C'est ça. Bah, moi je sais que juste à la course d'avant, j'étais parti en hard. Et j'avais un rythme de course très très mauvais parce que je prenais vraiment mes gardes quand j'étais en hard parce que je savais que ça pouvait glisser très rapidement. Mais après, en mettant les médiums, j'ai un peu plus mis de rythme et j'ai pu rattraper certaines personnes. On peut voir que Drix aussi a 10 secondes de pénalité parce qu'en même temps, il a dû assez avec le fait que Lani a percuté, qu'il y a eu un gros crash. À mon avis, il a dû péter son aileron. Non, il a pas dû péter son aileron, mais il a dû faire quelque chose qui a fait qu'il a dû connaître quelqu'un qui était déjà tête en abandon. Il a pris 3 secondes, ou des trucs comme ça. Je pense que. D'ailleurs, Tac a profité de la safety car pour faire ses pénalités. Et comme le dit, là pour l'instant, ceux qui sont très très heureux, c'est Sauzermatt, Asmod et Tex qui ont pris 7 et 6 places. Hein, comme Bouzam aussi, hein, 6 places de gagner pour l'instant. Exactement. Mais après, à voir, parce que du coup, ils ont gagné beaucoup de places, mais ceux en médium ont gagné aussi beaucoup de places. En effet. Donc là, c'est très intéressant ce qui va se passer. Hein. Là, c'est très très intéressant et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se... Pour dire, les seuls qui n'ont pas changé de position, c'est George et Overlake. Ah, et la voiture de sécurité rentre sur ce tour. Faut bien chauffer les pneus afin qu'ils soient pas froids. Là, Céline qui va mettre vraiment, ça va être une horreur pour lui de comment dire. Ah, c'est la voiture Aston Martin en plus, j'ai pas vu. Et c'est bien la voiture sécurité Aston Martin en plus, première fois qu'on la voit. C'est la nouvelle. Eh oui, incroyable, c'est beau. Cette belge Aston Martin.
Oula, il y a eu du grabuge, je crois, derrière. Non, c'est bon, pas pénalité, donc c'est bon. A ton avis, Gary, est-ce qu'on aura une deuxième safety car ou est-ce qu'on ce sera tout pour ce GP? Oui. Pour moi, il y aura une deuxième safety car. Donc à voir pour les stratégies. Et elle sera avant le tour 15. George qui va relancer très très tard. Oh là là là, et c'est reparti, oh là là. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça, un 3 de front? Sozermatt. Overlay qui garde sa place. Ouais, Overlay qui garde sa place et c'est chaud. Et y'a pas eu de casse je crois, y'a pas eu de casse derrière en tout cas. Oh là là, Mamochon devant. Oh là là, Asmode! Oh, qui a failli spin! Asmode qui perd toutes ses places! Incroyable, et Mamochon qui fait son dépassement Lokinovic. Lokinovic qui force à l'intérieur et il repasse. Et Drix qui va peut-être passer. Drix à l'extérieur! Oh, attention! Oh. C'était très osé. Hein. Oh là 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 là, Drix qui arrive! Incroyable! Mamochon qui fait doubler! Incroyable! Shipper qui va peut-être en profiter! Ouais, c'est bon. Mamochon qui s'est imposé comme. Non, je me suis déjà fait dépasser par une personne. T'as quand même te calmer, mon grand. Attention à cette épingle. Ouais, freinez bientôt. Et la réaccélération, pas trop tard. En tout cas, ça a l'air d'avoir été assez sage derrière aussi. Et Georges, la distance qu'il met dès le début, hein. 1 seconde 5 déjà. Hein. À savoir s'il pourra garder ce rythme. Tout le long sans avoir de problème en touchant un mur ou quoi que ce soit. En effet. Bah là ce qu'il faut c'est qu'il prenne de l'avance. Déjà il a mis sa seconde de différence. Maintenant faut que il gère parce que c'est vrai que maintenant il doit rattraper un arrêt entier par rapport à Shipper et Sparta. Hein. Oui. Et même plus que ça par rapport à Drix. Par rapport à Drix, plutôt plus que à Shipper. Drix, c'est le premier en médium. Sozermatt. Oh, j'avais pas vu Sozermatt, c'est vrai, il a remonté beaucoup aussi. J'avais attention, oublié. Drix, peut-être à l'extérieur sur locomotive. Oh là 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 là. Et ça incroyable, passe. À l'extérieur, mais quel dépassement. Mamochon qui va peut-être essayer d'en profiter. Attention, derrière. Oh, ça rattaque, à ça rattaque. Ça décroise peut-être. Non, c'est bon, c'est assez sage. Ah, c'est nous autres du spectacle en Ligue 1. Hein. C'est très très serré. Et là, Drix qui commence à faire un train. Des méta qui est rentré au stand. Ah, un problème d'aileron, à mon avis. Et là, il y a Tex qui gêne Norzem et Drix qui commence à faire un train-train qui rattrape Norzem. Hein. Il faut que Norzem double à tout prix Tex parce qu'il a l'air de le ralentir. Après Drix, lui, s'il peut. Attention, doublera, mais... Shipper sur Asmode. Ah non, sur Mamochon. À l'intérieur. Oh là là, oh là là. Oh, ça joue des coudes, ça joue des coudes. Et c'est Mamochon qui prendra le meilleur. Ah, Mamochon qui doit. Et là, Shipper perd beaucoup de temps. Hein. Shipper perd beaucoup de temps sur George. Exactement. Mais comme je disais, Drix, lui, n'a même pas besoin de doubler. Enfin, si, s'il peut doubler, il doublera, mais. Bah, s'il peut juste se faire traîner par le DRS et par. Bah, faux, parce qu'il il a 10 secondes de pénalité. Hein. Ah oui, il a 10 secondes, c'est vrai. Donc, lui, il doit rattraper beaucoup. Et par rapport au leader, pour l'instant, Shipper qui a 8,7 secondes. Hein. Donc, il a déjà presque la moitié d'un arrêt au stand, hein, de retard. Hein. Et quand George rentrera au stand, il aura des pneus neufs. Alors que Shipper, lui, aura des pneus usés. Et d'ailleurs, sur la stratégie... Ouais, et c'est bon, attention, Tex. Tex et Norzem, attention. Norzem qui a peut-être pour l'extérieur maintenant. Oh, on ça touche. Il y a eu des contacts. Contact. Et c'est Drix qui en profite. Norzem à l'intérieur. Oh non, ça ne fond pas. Lokinovic derrière qui en profite. Qui profite. Oh, je pense pas. C'est pas un virage où faut tenter. C'est pas vraiment. Ouais, fais attention. Et là, Norzem, est-ce qu'il a pris des dégâts?
Est-ce que Narzem a pris des dégâts? Je ne sais pas. Bon, cette caméra est très très folle. Oh là là, oh là là. Attention à l'extérieur, à l'extérieur. Oh, Shipper qui perd beaucoup de temps. Attention, Shipper sur Mamochon peut-être. Et Mamochon aussi DRS. Dommage. Et oui, là c'est un train de DRS qui traîne tout le monde. Ouais, ouais, là on a un train de DRS. Mais sauf mais attention que... parce que si George rentre, alors que normalement la stratégie en soft c'était de rentrer au 6ème, 7ème tour, il ressortirait en plein dans le trafic. Et là il faudra remonter le trafic et là ça va être très compliqué. Et Shipper qui prend une seconde par tour par George. Hein. Oh là là, Bouzam qui a cassé son Rasbod. Oh là là, et Bouzam qui a cassé son Rasbod, terrible. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Et Selim, Selim en tête à queue. Oh, et Tex aussi et Narzem qui se sont arrêtés. Ok. Narzem et Tex qui comment, qui respectent la stratégie des softs et qui rentrent au tour, au 6ème tour. Mmh. Bouzam, c'est le 3ème Grand Prix où il rencontre des difficultés. Il a déjà abandonné sur les deux premiers. Attention, Shipper. Non, il y a Mochon ainsi de DRS, donc c'est compliqué de dépasser. Demet à meilleur tour. En tout cas, beaucoup de vues aériennes sur Singapour, c'est vraiment sympathique. Singapour est réputé pour être très beau, un très beau circuit. Ah, c'est le circuit que les pilotes adorent, surtout les spectateurs adorent. Hein. Les spectateurs aiment beaucoup les circuits urbains. Je pense que c'est aussi dû au fait que, comparé au Grand Prix de France, les limites sont très... Attention, Esparta qui a mal redémarré. Est-ce que Wars va en profiter? Non, il n'a pas en profiter, il est un peu trop loin. Mamochon, attention, et Shipper qui double Mamochon. Shipper qui double Mamochon, j'ai raté ça, je suis désolé. Et Shipper qui va enfin pouvoir attaquer Lokinovic. Shipper qui essaye de mettre la pression en faisant des gauches droites. Ouais, là il est impatient. Là il est impatient parce qu'en fait il sait qu'il perd beaucoup de temps là. Hein. Il sait qu'il perd beaucoup de temps et il perd aussi peut-être le championnat là-dessus. Hein. George qui ne s'arrête toujours pas. George qui ne s'est toujours pas arrêté avec ses softs. Overlake qui s'arrête. Overlake qui s'arrête. Attention à ne pas faire le tour. Il va partir en plein dans le trafic. Attention à ne pas faire le tour de trop, George aussi. Hein. Attention, Shipper, non, prochain. Attends le prochain DRS, Shipper. Attends le prochain DRS. Sois patient. Lokinovic qui ne s'est toujours pas arrêté non plus. Et ça va, le trafic, je veux dire, il ressort pas dans le trafic, hein. Overlake, hein, Rad, Overlake, quand ouais, il ressort. En fait, je pensais qu'il ressortirait dans le train, mais. Et c'est bon, Shipper qui va doubler tranquillement Lokinovic. Et là, il a un bon. Il a quand même assez d'avance pour accélérer. Oh, Sparta sur Asmode! Ouh, il a tenté quelque chose de compliqué là. Ouh, Spartak qui a tenté quelque chose d'assez osé. Et là, Shipper, on va voir son temps. Non, hop, c'est pas ça, c'est pas non plus ça. C'est un match qui se rapproche de George, non? Oui, largement. Ouais, ouais, bah là, les pneus médiums, sauf qu'ils sont morts. Hein. Les pneus sauf qu'ils sont morts, faut qu'ils s'arrêtent, George. Hein. Je pense que c'est le tour de trop. Je pense qu'il a fait un tour de trop. C'est clairement le tour de trop. Je pense que clairement, en fait, il a. Après, est-ce qu'il. Alors, est-ce que c'est pas un fou? Et il voudrait faire soft hard, tu vois? Les hards, c'est compliqué, hein. Faire autant de tours avec les hards, c'est possible, mais faut s'accrocher, quoi. On va voir ça. S'il s'arrête pas, je pense que c'est qu'il tente un truc de ouf. Oh putain. Ah si, c'est bon, il s'arrête. Il pite. C'était le tour de trop, je pense. Hein. Oui, je pense aussi. Et Sozermatt, du coup, le meilleur, mieux placé pour gagner le GP maintenant. Et Lokinovic qui s'arrête, Lokinovic qui s'arrête et qui laisse Mamochon, Asmode et Sparta en roue libre pour attraper Shipper. Oui, totalement. Shipper qui revient quand même un peu sur Drix. Et George qui ressort. Drix a toujours ses 10 secondes de pénalité. Et George qui ressort que maintenant. Et c'est bon. Attention, il n'y a pas trop de dépassement et Georges qui est sorti à la 9ème place et qui a mis des pneus médium. Ouais. Donc il n'y aura pas au bout, il y a encore un arrêt pour Georges. En effet.
Et là, il y a un beau groupe pour la quatrième place. Hein. Mamochon, Asmos, Porta et Acta qui se battent pour la quatrième place. Et Sparta qui a déjà un arrêt, il me semble, qui s'est déjà arrêté. Donc, oui, on peut le voir ici, arrêt. Pour l'instant, tout le monde s'est arrêté, sauf les 5 premiers. Oui, donc Sparta est en bonne position. Surtout Sauzer. Moi, je pense que Sauzer peut gagner le Grand Prix, là. Hein. Si... Il y a moyen. Après, il faut voir son rythme par rapport à Shipper qui... Oh là là, c'est le spin de Sauzer. Oh non, la poisse. Oh, il a pété l'aileron à Drix en faisant demi-tour. Aïe, Drix a pu l'aileron, non. VSC. Et je pense qu'il a peut-être abîmé l'arrière de Drix. Ah, et Sauzer au stand. Oh là, Sauzer. Sauzer qui galère à rentrer au stand. Et maintenant, c'est Shipper le mieux placé. Oh, je vais porter la ch'touille. Et Mamochon deuxième qui peut faire un gros coup au championnat. Lui qui a 0 points, s'il arrive à finir sur le podium, il peut jouer très très gros. Et c'est bon, c'est reparti. Après, c'est aux heures qui m'énerve, hein, donc je veux dire, il peut peut-être... Là, je pense qu'il veut essayer d'aller au bout, mais 21 tours... Attention, Sparta sur Asmod. Non, il reste calme. Et Drix qui ressort dernier. Avec son aileron pété. Et est-ce qu'il a fait une partie de sa pénalité? Je crois pas. Ah si, 5 secondes. Il a fait 5 secondes, il a fait 5 secondes de pénalité, un changement d'aileron et un changement de pneu. C'est pour ça qu'il ressort si loin alors qu'il était deuxième. Mais pas de chance. Ça ressort très très bien de la part de Sparta. Ça ressort très très bien. Est-ce qu'on n'aurait pas une tentative de Sparta? Ouais, Asmod qui va très très large pour laisser de la place au Brésilien. Ouh là 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 là, ça a dû lever le pied là, Asmod qui a un petit peu fait des gauches-droites, qui n'a pas gardé sa ligne, attention Asmod à ne pas faire de bêtises. Après, Sauzer Matt, quand il a fait demi-tour, est-ce qu'il peut être en tort pour avoir fait demi-tour un peu dangereusement? Ah oui, clairement, là, si les gens portent réclamation, ça peut être très très... ça peut être punissable très très vite, hein. Attention Sparta qui va peut-être... Non, pas encore. Et je vois que derrière il y a de la bagarre entre Wers, Bouzam et Drix. Et Georges qui met meilleur tour. Meilleur temps pour Georges qui remonte comme un fou furieux. Par rapport au leader, il est à 15 secondes 7 de Shipper. On verra ça dans quelques tours. Il a encore un arrêt. Hein. Il a encore un arrêt. Bah, ce sont les deux encore en arrêt. Les deux ont encore un arrêt à faire. Oui, voilà, attention, c'est bon, c'est fait pour la part de Sparta. Très très facile. Et 26 secondes sur Sauzer qui lui s'est arrêté et qui devrait aller au bout. En effet. Tu fais très bien de le préciser. Et on va aller voir chez les Ferrari, parce que là les deux Ferrari sont ensemble. Hein. Les Ferrari qui ont 0 points, qui sont ensemble, Dimeta et Lokinovic. Attention à pas se foutre en l'air. Un début de saison très compliqué pour les deux. Ah, les Tifosi qui ne sont pas sur leur meilleure saison. Un peu en larmes. Ah, je pense qu'ils se disent, ouais, l'année prochaine, t'inquiète pas. Et Georges qui arrive sur Sénim avec ses pneus médium 9 qui va... C'est qu'il va dépasser parce que Sénim, lui qui est en pneu hard. Et qui a encore qu'un arrêt, hein. C'est... Oui, il a encore un arrêt. Donc, voir s'il perd pas trop de temps derrière Sénim. Ah, je pense pas parce que là il va arriver au départ. Donc il va arriver presque pile pour le DRS, pour les deux DRS. Donc c'est très très bien. Mais pour Slim, le but c'est de le laisser derrière. S'il arrive à le laisser derrière et à passer les pneus médiums à la fin, ils sont sur un pied d'égalité. Ah, je pense pas qu'il va. Je pense clairement pas que Slim va pouvoir réussir à garder Georges derrière lui. Oh, secteur 1, Acta, non! Acta out! Voiture sécurité, aïe. Shipper qui va s'arrêter. Je pense qu'il va s'arrêter et passer les pneus hard.
Un tag qui ce n'est vraiment pas son circuit. Ce n'est vraiment pas son circuit. Quel dommage. Eh ben écoutez, je vais voir un petit coup. Célimania. Célimania, terrible. Oh, Célim derrière. Qu'est-ce qui s'est passé? George qui perd une place. Quoi? En fait, il y a Célim qui a fait pause, qui a dû revenir en jeu. Et sa voiture s'est téléportée derrière George, en fait. Et donc, il y a George qui a dû laisser passer Célim. Donc, grosse perte de temps. Dommage. Après, c'est une voiture de sécurité. Est-ce que pour toi, ceux en pneus médiums doivent rentrer maintenant? Ouais, tu t'arrêtes, tu mets les hardes là. Hein. Je pense aussi. Hein. Alors, je sais que les hardes, c'est une tannée. Hein. Mais après, t'as zéro affaire à faire, quoi. Bah là, il n'y a pas vraiment le choix parce que tu fais peut-être 2 ou 3 tours sous safety. T'arrives au 14e, 15e tour. Et avec les hards, ça passe. Tu perdras du rythme à la fin, ça c'est obligé. Tu m'aurais dit 15e tour, j'aurais dit, allez, tu remets les médiums, avec 3 tours sous safety car, ça devrait aller. Mais là, avec au 12e tour, je trouve ça compliqué. Hein. George qui ne rentre pas. Ah, et c'est là qu'on voit que l'expérience a. Comment dire? L'expérience de course. Change beaucoup et Ovalek aussi. Pour moi là ils perdent la victoire là-dessus. Hein. Pour moi oui. Pour moi parce que là ils vont être. Shipper abandon. Quoi? Oh non le bug de Shipper. Non. Le leader du championnat qui se fait bug. Le leader du championnat qui a eu un bug. Le même bug que Pouzam. Il était dans la voie des stands. Mais oui. Il s'est fait Pouzamer. Le championnat qui est remis en cause. Peut-être move shipper pour savoir ce qui lui est arrivé. Je pense que là il est en train de détruire son appartement déjà. Il y a moyen. Laissons-le. D'ailleurs, dis-moi des fois s'il y a des gens dans la loge canal quand ils abandonnent. Des fois, il y a des gens dans la loge canal. Moi, j'ai regardé. Je viens de regarder. Ok. Et nouvelle voiture de sécurité. D'ailleurs, coup. J'avais dit quoi Tu te souviens, j'avais dit quoi? Tour 15. Avant le tour 15. Ouais. Eh. Franchement, pas mal, hein. Je veux dire, je suis pas casteur de la Liga pour rien. Allez. Aïe. Oh, mais ce bug. Terrible. Et là, tout le championnat est relancé, hein. Là, Shipper doit. Il avait quoi de points d'avance sur Géo? Il avait de 72 à 58. Ça fait 24 points. 24 points. Ça va, il avait quand même pas mal d'avance. Et George est mal positionné par rapport à Tex, par exemple. Ah, Tex, il doit faire encore un arrêt aussi. Les pneus médiums, c'est, je trouve, trop tôt, je pense. Le meilleur qui a fait la meilleure opération, c'est Sauzer Matt Camilliard. Ah mais Sauzer, mais oui, Sauzer incroyable. Je pense que c'est celui qui fait la meilleure opération, parce que mettre les médiums au 13e tour, je trouve ça très osé, on finit sur les jantes. Ah oui, c'est sûr. Là, ce partage, j'ai hâte de le voir. Et Mamochon en hard aussi. Sauzer Matt et Mamochon en hard. Asmod aussi, et Bouzam aussi. Là, on a plein de stratégies. On a ceux qui sont restés, en médium. Il y a ceux qui sont arrêtés pour mettre des médiums. Il y a ceux qui sont arrêtés pour mettre des hards. Il y a trois stratégies qui sont ensemble. Laquelle est la meilleure? Pour moi, s'il n'y a aucune autre safety car, c'est ceux qui se sont arrêtés en hard les meilleurs. Voilà. Moi aussi. Moi, je pense qu'ils ont de quoi faire un gros coup. Après, un petit truc à noter quand même, c'est que
Sozormat a 3 tours sur ses hards, alors que Babochon n'en a aucun. Bon, après, pour des hards, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Oui, mais sur la fin de course, ça peut jouer un peu c'est plus vrai, de grip, oui. Plus de... Allez, une petite glissade en plus, et c'est dans le mur. Hein. C'est ça. Il y aura encore au moins une SC, c'est sûr. Bah écoute, pour moi, il y aura que des. Pour moi, il y aura encore une virtuelle safety car. Je pose mon billet, clac. Pour toi, il y aura. C'est quoi, Jardin? C'est quoi ton. Je pense que ça va peut-être les calmer un peu. Après, une virtuelle safety car, pourquoi pas. Mais je pense que ça va aller au bout comme ça. Ah, tu dis une virtuelle toi aussi? Ouais, je pense une virtuelle à la limite, quoi. Mais pas une safety car, je pense qu'ils vont faire assez gaffe pour ça. Eh bien écoute, les paris sont levés. On verra qui aura raison. Et qui penses-tu qui va descendre, hein, c'est triste à dire, mais cette saison? Alors là, je sais pas du tout. Hein. Là, j'ai pas Christophe devant les yeux, donc je sais même pas qui c'est qui sont dans les derniers. À partir du top 10, qui est à 15 points, il y a Tex, Drix, Lani, Norzem et Acta, qui ont déjà marqué des points. Ok. Et sinon, derrière, il y a Selim, Demeta, Moon, Verz, Bouzam et Mamochon. Je dirais Moon. Oh non, 5 secondes de BD pour Asmode, pour collision avec Werz. Aïe 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 aïe. Secondes de pénalité. Ouais, Overlay qui se fait directement attaquer par Tex. Attention, attention. Voilà. Mais sinon, ouais, je sais pas trop qui c'est pour qui descend. Hein. C'est compliqué à dire. Hein. Mon jeu à freeze. Ah quoi? Mon jeu à freeze. Eh bah écoute, enlève-toi et je te réinvite au pire. Attention, Sparta sur ma motion. Voilà, dépassement extérieur, c'est fait pour Sparta. Attention à Tex aussi, hein. Hop, je te invite vite fait, inviter des amis. Hop, t'es où, vite. J'attends. Je te vois pas. Ah. Merde, t'as lancé ton jeu ou pas? Bah, pas encore. Ah ok, dis-moi quand t'as lancé ton jeu. Voilà, Loki Novis qui t'est essayé à l'extérieur avec une meilleure accélération, attention. Voilà, les bêtes sont lâchées, Et attention, il y a aussi Drix qui met la pression sur Asmode. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui essayent Jardin, je vois là. J. Jardin qui joue à F1. J'attends juste de voir le dénouement de cette bataille et je te invite juste après. Ceci. Incroyable. Il y a une grosse bataille. J'attends de voir la grosse ligne droite. Parce que là, il y a vraiment. Il y a Wers qui attaque Lukinovic. C'est incroyable. Oh là là, et Sparta sur Sozormat. Et oui, qui lui a des médiums neufs sur The Hard. C'est sûr que c'est beaucoup mieux. Et c'est bon, c'est fait. Sparta qui double Sozormat. Mais c'est pas trop grave. Sozormat, faut pas qu'il pense que c'est fini. Faut qu'il se dise, il a encore un arrêt. Donc faut que je sois le plus près possible. Et Mamochon qui va peut-être attaquer aussi. Mamochon qui attaque Sozormat aussi, attention. Et Sozormat qui défend très très bien. Et attention, on va inviter vite Jardin. Attention, vite. Tac. Jardin, hop là. Okay. Allez, Lokinovic. Il y a un très gros groupe. Ouais, Jardin qui a rejoint, incroyable, c'est bon, c'est fait. Oh là là, attention, on va pas. Oh là là. Et c'est lui qui quitte la session. Oh là, quoi, pourquoi? Oh, c'est lui qui quitte la session avec les 13e. Terrible. Oh là 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 là. Oh, c'est très très serré pour cette 6e place. Sozormat qui crée un train, mais incroyable, hein. Et voilà qui est déjà à 4 secondes de Georges. Hein. Georges qui vraiment surclasse les gens. Hein. Oh, incroyable. Oui, mais il lui reste un arrêt, c'est ça le problème.
C'est ça, mais par rapport à sous genre maths, ouais, c'est faut voir, faut voir, faut voir. Après, attention, parce qu'avec les arts, tu peux faire beaucoup plus d'erreurs aussi, hein. Et le DRS qui a activé. Oh non, ma motion qui a cassé, non, je crois, non. Non, ma motion qui a peut-être touché, mais pas cassé. Elle a peut-être déliré un peu plus dans les virages, mais fais attention. Oh là là, elle a la DRS activée. Regarde-moi ce groupe derrière sous genre maths là, hein. Et tout le monde suit au DRS. Et Oh là là, oh là là, où est-ce qu'il a été comme tenté sur la Stozer mode? Matt et Mamochon sont les deux en hard, ils ont c'est difficile. Oh, Oh abandon! là! Non, le Slovitch qui tape mais qui n'abandonne pas. Oh là Il a là, plus il d'aileron. a plus d'aileron, il a Il plus a plus rien. d'aileron! Il a plus d'aileron, Where's? Non, pas Where's, le Kilovich! Non, c'est pas ça, si, le Kilovich! Si. Plus Oh rien, il là a là plus là rien. là là, oh là 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 là, attention, attention au dépassement! Oh là là, et où est-ce qu'il a tenté à l'intérieur? Ouh! Alors, je ne sais pas combien de mètres il y avait. Et là, c'est des bêtas qui tentent sur Drix. Non, c'est bon. Oh, devant, devant, attention. Devant, attention. Qui passe Mamochon devant qui Stozer passe. Incroyable. Et Sozorba qui va peut-être se faire passer. Non, c'est bon. Matt. Non. Les deux pneus, les deux qui sont en pneu hard se suivent de très Oh près là là, oh là là, oh là là. comme ils ont du mal à se dépasser, tout le monde suit au DRS. Oh, c'est, ils glissent beaucoup Stozer Matt. Ah c'est dur les yards, hein. Si c'est mon jeu à crash, JPP c'est beau. Bah faut que tu reviennes mon grand, faut que tu reviennes. GS 3 secondes de pénalité, aïe aïe. Ça peut jouer Oh rapidement là les là 3 secondes derrière, qui viennent de prendre. Edris qui abandonne. Abandonne Drix. Oh là là, oh là là, oh Et non. Wers qui n'a plus d'aileron. Wers qui n'a plus d'aileron. Oh et le... Oh non, oh les deux coéquipiers qui se sont éclatés ensemble. Voiture de sécurité. Voiture de sécurité. Oh aïe 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 aïe. Et là faut mettre les hard, faut mettre les hard. Et GS si on, il va mettre les hard, il a raison. Non, 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 GS tu mets les médiums, tu mets les médiums là. Ah bah oui. Bah si avec 3 tours sur la Ah safety car, tu mets oui, les médiums hein. si, bien sûr. Et oui c'est bon, c'est fait. Sparta qui ne s'arrête pas. Sparta qui ne s'arrête pas. Overlake, lui qui s'arrête. Sparta, Mamochon, Sozormat ne Where's sont 5 plus secondes notés. de pénalité. Et là, la stratégie des hard est tombe à l'eau. Hein. Là, pour Après, moi, s'ils avaient fa... la lutte, ce sera très compliqué, mais. là, pour moi, il fallait s'arrêter pour mettre des médiums là. Il y a Mais Slim en loge Canal Plus. ah, Selim? Ouais, Selim est. Mais il en... Attends, mais il est en course, Selim, hein, donc... Il est en course, oui, mais il est dans la loge. Attends, je crois qu'il veut qu'on l'invite. Selim, 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 Selim. Je l'ai pas, Selim, dans mes amis, de toute façon, donc je peux rien faire. Je crois que je Faut l'ai qu'il pas aille non dans plus. le channel de shipper, au pire. Hein. Faut qu'il aille dans le channel de shipper. Non, c'est bon, c'est mort, c'est bon, je chie à la gueule, c'est ouf, bref. Non, mais en fait, là, faut pas que... C'est soit... Soit tu reviens dans la course, soit tu reviens pour abandonner, mais faut pas que tu laisses ton bot comme ça en fait, Selim. Hein. Ça par contre c'est un... C'est soit tu reprends ton jeu pour finir la course, soit tu reprends ton jeu pour abandonner, mais tu laisses pas ton bot comme ça. Hein. La Sika qui va faire 2 tours, je pense seulement, parce que les gens vont rattraper la voiture sécurité. Oui, il y a moyen. Parce que ce son, elle fait au moins 2 tours minimum et 3 tours Oui. maximum. Ah, ici, j'avais assis mon ami, donc c'est bon. Je vais le réinviter. Au moins qu'il abandonne dans les stands si besoin. Ah oui, c'est ça. Et là par contre c'est Georges qui à chaque fois essaie de remonter, remonter, remonter. Mais là par contre Georges avec ses médiums avec un tour seulement maintenant sous safety car. Peut-être le mieux placé, oui. C'est Bien sûr. clairement le mieux placé. Hein. Après, si Sparta arrive à comment? À se détacher avec ses pneus médiums et que George soit bloqué un peu dans le trafic, il y a moyen que Sparta Mais gagne la course. je vois pas. Hein. Merci Gary, bonne fin de course à vous. De rien. De rien, de rien. Bonne fin de course à toi aussi, hein, je veux dire.
Fin de cette course là, hein. T'as plus que 10 tours. Hein. T'as fait 2 tiers du travail, mon grand. Ce serait quand même bête de abandonner pour rien. Surtout que là, tout le monde est dans les points, donc pas d'abandon et c'est les points. C'est ça. GS est très très bien. Non mais c'est vrai, hein. Là, Georges, maintenant, ce qui va être... là où on va le tester, c'est être dans le paquet, quoi. C'est ça. Et il faut pas qu'il ait de problème quand il double quelqu'un à toucher et que son aileron casse, quoi. Bah, pour moi, là, pour toi, c'est quoi le top 3 à la fin de la course, là? Là, je pense que ça va être GS, Overlake et Sparta. Pour moi, ça va être Georges, Overlake et Asmode. Oh là, Selim! Oh, Selim qui a fait un petit spin! Terrible, hein. Terrible. Mauvaise course pour lui. Et la voiture de sécurité rentre sur son tour. Je pense qu'il va peut-être abandonner dans les stands comme il en avait marre. Je sais pas s'il va continuer ou pas. Peut-être, je sais pas. C'est très dommage d'abandonner parce qu'il a le moyen de marquer des points quand même. Bah oui. Sachant, hein. Sachant que pour lui c'est crucial les points, il en a encore marqué zéro. Bah c'est... Enfin à part son vouloir être descendant en Ligue B, oui, faut marquer des points. Et là les mieux placés pour mettre des points c'est Mamochon qui n'a pas encore marqué de points. Mamochon, peut-être Demeta qui peut jouer quelque chose. Il a déjà 9 tours sur médium. Hein. Et c'est bon, Sparta relance. Ouais. Sparta relance et c'est parti. C'est parti pour le show. Et Sparta qui relance, monte. Lui qui relance très très tôt par contre. Hein. Oui, contrairement à Georges, peut-être que comme il sait que les autres derrière sont hard, il veut profiter de ses médiums au maximum. Du grip de ses médiums pour. Et on va suivre Georges parce que je pense que c'est le pilote à suivre là. Attention. Et donc pour l'instant, il n'y a pas de DRS pendant 2 tours déjà, de base. Donc là, on va avoir des dépassements faits au forceps. Attention, Georges à l'extérieur. Mais non. Oh là 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 là. Mais c'est incroyable. Mais arrêtez-le, ce gamin. Incroyable le dépassement qu'il nous fait, Georges, à l'extérieur du... Mais enfin... Incroyable. Alors, il arrive très très fort derrière Sozormat. Hein. Alors je sais que... Comment dire, des méta avec 10 tours sur ses médiums. Mais oh là là, attention à l'extérieur, il va décroiser. Oh là 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 là. Mais il leur apprend le... Mais il leur apprend à conduire une Formule 1 ou c'est quoi? Est-ce qu'il aura le meilleur sur... Oui, oh là largement. Mais largement, mais largement. Mais Georges qui est déjà derrière Mamochon. Ça va être une bataille entre Georges et Sparta. Sparta peut être le seul à causer des problèmes. Mais il a déjà 6 tours sur ses médiums, Sparta. Hein. C'est le problème. Mais je pense que là, Mamochon ne pourra pas poser de grands problèmes avec ses pneus hard. Je pense que Sparta est le seul qui peut causer des problèmes. Incroyable, Georges. En un tour, il a déjà dépassé 2 personnes. Oh, mais rad, la vitesse à laquelle... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ouh, Brandt, il a pas beaucoup de place, par contre. Hein. Il a pas beaucoup de place. Attention à ne pas être trop impatient. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est un grand malade. Il aurait dû être patient et rester derrière Mamochon, en fait. Hein. Bah oui, juste rester derrière et attaquer. Là, il est impatient. Attention, des méta sur ce Zormat à l'extérieur. Oh là là. Overlake qui en profite, Overlake qui remonte. Oh là là, oh là là, et Overlake il a touché surtout. Ah, j'ai pas vu ça. George qui va passer Mamochon. Ah oui, en effet. Non, quand même pas. Pas ici. Oh là 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 là, mais... C'est très chaud. Hein. Il est trop impatient. Et c'est là où George a beaucoup à apprendre, c'est la patience. C'est la patience de trouver le bon moment. Là, tu vois, là il construit bien dans son dépassement. Et Sparta qui en profite pour s'éloigner. Hein. Ouais, oula, ou Mamochon. Oh, attention à l'intérieur, Georges. Oh, qui touche là, il y a eu contact là. Oh non, derrière, Demeta.
aïe, Demeta et Tex. Demeta et Tex qui se sont... Oh là 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 là. Est-ce qu'il n'y a pas une Virtual Safety Car dessus là? Même pas. Incroyable. Même pas, rien. Et genre, qui a doublé ma motion. Il est... Oh, le spin de Demeta. Ah bah, les pneus chauds. Derrière activé. Et Overlay qui a 2 dixièmes de sauveur mat. Oh là là, oh, il remonte comme une flèche. George qui remonte aussi très rapidement sur Sparta. Ah ouais, non mais c'est un no match, hein, c'est un no match. Oh, Norzem qui double Sauzer. Attends, Sauzer qui a un problème. Attends, Sauzer a un problème, non? Oh, attention. Ah non, il n'y a pas de problème, Sauzer. Il est juste en PLS avec ses ads, hein, je crois. Et ouais, ouais, oh non, oh non, Sauzer mat. Ah oui, et on l'a vu. Et ça permet aux autres qui étaient loin au classement de remonter. Hein. Là, ils vont marquer des bons points. On l'avait vu, Sauzer Matt n'était pas en confiance avec ses hards. Hein. Et oui, là, merci Drift pour ton follow. Bonsoir, salut Exotix. Le Sinovic, Tex et Demeta sont les trois rentrés au stand. Ah bah, les deux Ferrari n'ont pas encore marqué beaucoup de points. Ah, c'est terrible, hein, c'est terrible. Et là, Norzem qui commence, qui galère un petit peu. Il y a Asmode qui. Et attention, George qui a une seconde. George a une seconde de Sparta. Est-ce que la Liga va finir à plus de 10? Ça a été le cas en Ligue B d'ailleurs. Where's 3 secondes Benete? George dans le DRS de Sparta! Et Overlay qui est dans le DRS de Mamochon. Attention, oh là là, Asmode, attention, et Norzem au stand. Norzem qui va au stand, à mon avis il a dû avoir un problème sur son aileron, terrible. Oh là là, est-ce qu'il y a des déplacements qui vont se faire? Pas encore. Et on va aller sur George. Overlay qui va atteindre la ligne droite avec le DRS de Mamochon. Et là je suis sur George d'abord. Ça va pas se faire avec George. Non. On va passer à Overlake. Overlake Mamochon, ça peut être plus possible. Tranquillement, c'est pas grave. Attention, Wears avec Asmode. Non plus, voilà. Chacun se rapproche comme il peut. Et Norzem qui va ressortir 9ème avec ses softs. Et qui va remonter tranquillement. Non, c'est bon. Il se résigne, George. Il a failli attaquer dans ce virage. J'avais peur que ça finisse mal pour les deux. Lokinovic, 3 secondes. Là, faut qu'il soit patient. Il sait, il a 5 tours de moins sur ses médiums. Reste tranquille, George. Est-ce qu'il le sait vraiment? Bah oui, je peux demander à Jeff. Oui, c'est vrai. C'est... Mais est-ce qu'il a l'intelligence de course de demander à Jeff? Est-ce qu'il a... On sait pas. Oh, je parte à 3 secondes! Qui se retrouve à égalité avec George. George qui avait déjà. Et oui, là par contre c'est terrible, hein. Parce que là Sparta a juste gardé George derrière lui le plus possible. Mais là maintenant ça va être compliqué, hein. Oui. Là ça va être compliqué et rien que d'aller au bout pour lui, je pense que ça va être compliqué. Bah je pense que Sparta va peut-être faire l'erreur de trop et ça va lui casser le tournoi rond. Attention, on le dépasse pas maintenant. Oh là là. Mais oui, mais il laisse pas cette place à chaque fois quand il va à l'intérieur. George ne laisse pas cette place. Attention, réclamation. En fait, tout ce qu'il va faire, c'est speeder parce qu'il va taper Sparta et dans le mur. Hein. Il va tout perdre. Attention, Overlake aussi. Oula, Overlake très pressant sur ma motion. Qui va décroiser et qui va. Oh là, ça va être juste. C'est juste over. Hein. Allez, c'est parti, Overlay qui dépasse Mochon. Mochon qui n'a même pas lutté, je pense qu'il a carrément enlevé le reste. Il accepte sa sentence. Il savait que ça allait arriver à un moment ou un autre, autant essayer de le suivre pour gagner, pour garder du rythme et se détacher d'Asmode le maximum. Et là, possible. On a plein de petits duos là. On a George contre Sparta, Overlay contre Mochon, Asmode Wears, Bouzam Selim. Le top 8 est rempli de 4 paires. Et Norzem, Losinovic, Demeta. Demeta meilleur temps. Ah, c'est pour ça que Demeta s'est arrêté alors. Non, Demeta avait juste pété son aileron. Hein. Ah ouais? Ah oui, bah avec Tex. Il a cassé son aileron.
Et je crois que Lukinovic, comme il est suivi, il a cassé aussi son aileron, je crois. George qui n'est toujours pas passé sur Sparta. Hein. Bah après c'est un peu compliqué de passer dans le secteur 2 et 3, c'est vrai que... Tu sais, le deuxième DRS, je trouve qu'il sert entre guillemets juste à se rapprocher et pas à dépasser. Oui, 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 bah le deuxième... Tu parles du troisième sur la ligne droite de Gate. Oui, enfin oui, le... Enfin je compte pas celui du départ arrière parce que pour moi c'est le troisième DRS comme il est avant, tu vois, enfin... Alors bon, Spartak a un très très gros rythme parce qu'il a gagné du temps sur Georges. Hein. Après, est-ce qu'il n'aura pas à peine abîmé son aileron? C'est ça le problème. On va voir niveau télémétrie, 35, ah, ils sont pareils les deux. Attention à Asbon sur Mamochon qui perd beaucoup de temps. Et c'est fait. À l'intérieur. Oh non, je pense qu'il... Je pense qu'il accepte. Je pense qu'il accepte son sort. Oui, Mamochon, il va s'écrouler, je pense, un petit peu au classement. Et bienvenue, Bastien YouTube64. Et merci du follow. Et où est-ce qu'il est déjà sur les talons, Mamochon? Et Georges est sur le point de sortir, ouais, du DR. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi, ouais. Georges qui n'arrive pas à rattraper Sparta. Hein. Pour moi, ce que Georges a à faire, c'est d'économiser son ERS et de garder juste à temps que Sparta fasse une erreur. Est-ce qu'il a encore la tête assez froide pour penser à tout ça? Alors, je pense pas qu'il ait. Je pense pas qu'il a encore l'intelligence de course de penser à tout ça, Georges. Je pense surtout que là, il est en mode attaque, attaque, attaque. Putain, j'ai même pas attaché ce bouton. J'étais un peu en mode relax là. Et ouais, c'est Mamochon, ouais. Mamochon qui galère avec ses hard. Hein. Je regarde ça de très très près, mais qui va galérer à finir ses 4 tours restants là. Avec des pneus qui ont 13 tours. Ouais, après ça va sur les hard, ça devrait aller. Non, on vous a... Ah, Bouzam, oui, Bouzam et Selim, ah oui, Bouzam et Selim, par contre, c'est compliqué, ouais. Ça va être compliqué. Après, Bouzam est connu pour très très bien garder ses médiums, enfin ses pneus en général. Et Ware, attention, sur Mamochon, et c'est fait. Oh là là, oh là là, oh là là, ça commence à glisser de la part de Bouzam. Ça commence à glisser chez Bouzam. Et Selim qui regarde ça de très très près, là. Il y a une belle bataille pour la 5ème place. Alors, en effet, bah, sont là, c'est bon, la 5ème place est faite, maintenant c'est la 6ème. Hein. Oui. Et George qui s'est rapproché au final, mais qui n'a quasiment plus de RS. Bah là, quand on voit Bouzam glisser comme ça, avec 13 tours sur ses médiums, à mon avis, je pense que Sparta doit pas être. Il doit pas être. Comment dire, serein. On va suivre ça de la vue de George et on va voir si Sparta. Ah, je sais pas trop, ça a l'air d'aller du côté de Sparta. Hein. Je suis actuellement en train de regarder Bouzam qui... Vas-y. Mochon. Dis-moi s'il se passe quelque chose derrière, s'il y a un dépassement. Vous êtes presque 30 joueurs, merci beaucoup. En tout cas, à 22h28, il y a beaucoup de live dimanche soir et vous êtes 28 sur live, merci beaucoup. Et je pense que ouais. Qui va sûrement attaquer dans la grande ligne droite avec le DRS et l'ERS qu'il a économisé. Mamochon qui n'a plus du tout. Oh là là, Selim qui se crache. Selim qui se crache en direct live, on l'a vu. Bouzam qui dépasse Mamochon. Qui dépasse. Mais est-ce qu'il va réussir à tenir ses pneus jusqu'au bout? Je pense que oui. Hein, mais... Incroyable, on l'a vu en direct. Bon, t'as pas de safety car pour les voitures qui se crachent à ce moment-là. Il s'est crashé où? Au virage, vous n'en aimez là. Il a là. Ouais. Donc une place de gagné pour les Ferrari aussi, hein, qui vont. George qui s'est quand même un peu éloigné.
et qui a toujours autant de RS que Sparta, qui a le DRS, et pourtant toujours le même écart. Il n'arrive pas à se rapprocher, à dépasser. Pour moi, ça va se jouer sur le dernier tour où Sparta va avoir la presque. Enfin, il va peut-être arriver au 17 tours là. Hein. Il va quand même arriver au 17 tours sur ses médiums. Attention aux crevaisons aussi au Sparta. Ouais. À Sparta. Qui peut arriver à tout moment, mais. En effet, en effet. Overlake qui se. Comment. Qui rattrape. Qui est troisième maintenant. Ouais, non, en fait. Et là. Non, Overlake qui est surtout deuxième virtuellement. Parce que. Georges a 3 secondes de pénalité et oui, attention à Sparta, il est peut-être même premier. Là, Overlake a une très très grosse carte à jouer là. Il peut voler la victoire. Et des Alpines peuvent faire un doublé. Hein. Oui, totalement, oui. Et à doubler Alpine, ça les remettrait dans la course pour le titre. MDR, regardez, t'as bégayé, putain. C'est la fin de course, donc je pense pas. De quoi? Rebonsoir sur l'Horloge Canal si vous le souhaitez. Voilà, ça va être la fin de course, donc peut-être après les trois premiers, Salim. Là, il y a une très très grosse bataille là entre Georges et Sparta pour cette fin de course. On va essayer de garder la tension jusqu'à la fin. Moi, je suis sur Overlake et je suis en train de surveiller les cartes. Allez, attention dans le chat, hashtag team Sparta, hashtag team GS. Montrez qui êtes-vous, le fan. Est-ce qu'il y a beaucoup de fans de Sparta, je crois le voir. Ou des fans de Georges. Hashtag team Georges. Des fans de Overlake qui peut gagner encore. Et oui, en effet. Et toi, tu es team quoi, comment dire, Jardin? Je pense que ce serait très beau de voir Overlake gagner avec une remontée un peu surprise. Il est... Pour l'instant, il est à 3 secondes. Il a 2 secondes 3. Ah, c'est chaud. Mais il est à 3 secondes pile. Ouais, en effet. Il est en dessous des 3 secondes maintenant. Oh là. Moi, je pense qu'Overlake va gagner. De toute façon. Je pense qu'il y a moyen parce que s'il s'attaque, les deux premiers vont perdre du temps. Pour moi, si Georges ne dépasse pas Sparta. Attends, Wers qui dépasse Asmode. J'ai pas vu ça. Incroyable. Est-ce que Asmode va répondre? Bah Asmode, elle a... comment? Oh non, Wers qui abandonne. Wers, 3 abandons en 3 Grands Prix. Oh, ça oh va là jouer là à là très... là. La victoire va se jouer de très très peu, je pense. Overlake qui a 3 secondes 1 seulement. Du leader. Oh là 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 là. Et on a les deux Ferrari qui montent dans le classement. Oh là, oh, on est dans le top 10. Oh là là, on est 9ème, trop bien. Est-ce qu'ils s'attaquent entre eux, les Ferrari? Non. Oui, les Ferrari qui s'attaquent. Ah si. Ah, est-ce qu'ils se donnent pas seulement le DRS? Ouais, peut-être, ouais. C'est possible. Il est sorti tout seul, Wers, hein. Il a commencé à partir tout seul. Il a accéléré trop tôt au troisième virage. Et ça pardonne pas. Et la bataille devant est très intense. Et Sparta qui glisse beaucoup, hein. Overlake qui est en train de faire du contre-la-montre totalement. Oh, et Tess qui s'arrête pour peut-être faire le meilleur temps. Bah, il a plus que ça à tenter, hein. Asmode abandonne, mais non! Oh non, Asmode non, Boussam, non, Boussam aussi. Asmode qui est... Non, Boussam qui est entré dans Asmode. Et les Ferrari qui oh en profitent non du coup. Et... C'est terrible. Dans l'avant-dernier tour. Oh non. Oh là, et Norzem, les deux Ferrari et Tess qui sont en mode genre, let's go les gars! Incroyable! Bonsoir! Comme je m'invite. Hein. Ah voilà. Oui? Bonsoir? Ça me rappelle mes passés. Formule. Ça va? En fait, toi, tu peux pas abandonner tout seul, toi. Faut toujours que t'accompagnes quelqu'un dans ta perte aussi. Ah, mais. C'est vraiment un truc de dingue parce que genre en fait si tu veux c'est ma pire faute hein. Mais c'est que genre je regardais derrière moi parce que j'avais cru entendre oh, un mais bruit quel con de casser, mais non et du coup, je regarde plus devant, je spin et je pète.
Oh là là. C'est, est-ce que c'est pas un week-end de bouffe pour Aston Martin? Ben là, faut voir clairement là. C'est, est-ce que se faire bouffonner par un jeu et se faire bouffonner par un pilote qui regarde derrière soi, ce serait pas un... Enfin, je veux dire, l'emoji clown n'est pas pour Aston Martin pour ce week-end là. Mais ce qui me dégoûte, c'est que vraiment, genre, une l'inattention totale, je suis là, bon ben j'ai juste à gérer, tranquille, et bam. Et ouais, terrible. Et là, je te laisse parce que c'est le dernier tour. Et là, il y a Georges qui est juste derrière Sparta. Merci beaucoup d'être passé à ce mode et on se reverra juste après. Attention à la prochaine. 2 secondes 3 du leader. Attention, pour attention. Et oui, en effet, Overlake qui. Oh non, 3 secondes encore pour Sparta. Sparta qui va passer derrière Georges. Et là, c'est à Georges de jouer la victoire. Là, c'est il faut. Oh là qu'il là, et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Sparta? Oh non! Oh là là, non, Sparta, ça c'est moche. Ça c'est moche, par contre. Ça c'est très très moche de la part de Sparta. Là, pour moi, la victoire de Overlake est. Ah bah, elle est juste logique, hein. Et on va avoir Overlake, Georges et Sparta, parce que Georges va se faire passer par Overlake, mais va passer devant Sparta. Ah, c'est fou. C'est un final incroyable et les deux Ferrari qui sont 6 et 7. Ah, c'est incroyable. Mamochon qui survit avec ses pneus hard depuis 17 tours est quatrième. Et Norzel tranquillement qui lui voilà il passe tranquillement voilà c'est oh là 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 ah t'as abandonné ok et Mamochon qui n'avait pas marqué de points et Norzel qui avait seulement marqué 13 points et attention parce que là Tex il essaye de faire le meilleur temps je crois hein. Et là il y a Tex qui essaye de faire le meilleur temps qui arrive sur Valek attention. Ah là, oh là là, quelle fin de course. Et attention, ça, on arrive dans l'avant-dernier virage et le dernier. Ah, et Tess qui est très très près, c'est bon, il va se faire gêner un tout petit peu. Mamochon qui a tapé le mur, je crois qu'il a perdu son élan. Aïe, et c'est pas de meilleur temps pour Tex. Et Overlake qui gagne le Grand Prix de Singapour. Incroyable. Deuxième Georges, troisième Sparta, huitième Tex. Mamochon qui va arriver tranquillement parce qu'il a cassé son aileron, donc il arrive tranquillement sans faire de dégâts. Il a raison, hein. C'est ses premiers points, Mamochon aussi, hein. Mamochon, première fois qu'il est dans les points, il avait abandonné aux deux premiers Grand Prix. Et là, tu vois, ces 8 là, ils prennent des très très gros points. Ils prennent des très très gros points. Pour cette course, c'est les premiers points de Mamochon, Demeta et Losinovic. Incroyable. Norzem 5ème. Là, tu vois, ces 8 pilotes là, ils mettent, pour moi, ces 8 pilotes là ne descendront pas en Ligue B. Parce qu'ils ont pris tellement de gros points là-dessus. Là ça va. Demeta 6ème. Et 16ème, Lokinovic, et on peut applaudir s'il vous plaît, Overlake, le gagnant, incroyable. Franchement, un grand prix incroyable. Hein, et les Alpines qui font 1 et 3, incroyable je trouve. C'est le pilote du jour, d'accord, alors qu'il a abandonné, d'accord, très bien. Allô, le jeu, l'alcool, incroyable. Double podium pour Alpine, sachant que Aston Martin qui est premier ne marque pas de points. Et là donc Red Bull et Alpine. George qui marque des points chez Red Bull. Mais de très gros points quand même, hein, de très très gros points. Vous êtes 35 sur le live. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci beaucoup de votre présence. On va directement aller sur Blabla parce que bon, le classement on le connaît. Et waouh. Après non, peut-être mettre le classement en fait, je suis en train de réfléchir parce que comme ça sera peut-être un peu mieux. Hop, on va faire un petit screen. Tac. Et actuellement, 4 pilotes n'ont toujours pas marqué de points. C'est terrible. Je sais pas si tu m'entends. Oui, c'est. Désolé, je regarde un peu. Et c'est vrai que c'est terrible. Hein. 4 personnes, à savoir Acta. Selim. Moon, Wers et Bouzam qui n'ont toujours pas marqué de points. Aïe. Bon, en tout cas, ça c'est fait.
hop, moi je finis, j'éteins mon jeu, clac. Et on va appeler. On va appeler qui? Ils sont tous en loge. On va appeler d'abord Sparta. Sparta, le troisième. Bonjour Sparta. Putain, je suis dégoûté, je suis vraiment naze. Pourquoi? Mais non, mais s'il n'y a pas de pena, c'est la win là. Putain, je suis vraiment une merguez. Après, même sans la dernière pena, t'es quand même deuxième par contre. Ouais, je suis quand même deuxième, mais il y aurait une petite consigne de James. Sparta for the championship, tu vois. Ah, d'accord, ok, ouais. Mais il a bien mérité sa victoire vers les scores à 30 ans. Résume-nous un peu ton week-end de course. Mon week-end de course, bah écoute, samedi, déménagement. D'accord, ouais. Pas de train, et puis dimanche, non, du coup, franchement, j'ai pas eu trop le temps de train, je l'ai fait au souvenir. J'ai dû faire 15-20 tours, les qualifs, ça se passe bien, ça sort bien. Le départ, ça sort bien. Premier tour, je pique les médiums. Donc, du coup, il ne me reste plus qu'une fois à pit. Et au deuxième safety, je repique les médiums parce que je me dis avec la safety et tout, ça va économiser. Je vois tout le monde en hard. Je dis ouais, ok, d'accord. Et puis voilà, puis la dernière safety où tout le monde va repique des médiums. Moi, je les ai déjà, je continue et puis je garde la tête. Ça se va bien avec Joe. Et tes pneus étaient en état vers la fin? Franchement, je finis à 50, 51. J'étais sur des œufs. Hein. Les deux derniers tours, c'était nappe. Ouais, bah pour moi, c'est là que Georges allait être doublé parce que je me suis dit que Georges. Enfin, pour moi, Georges n'a pas eu assez d'intelligence de course d'économiser derrière toi et de parier sur le fait que tes pneus allaient éclater à la fin pour te doubler, quoi. Ouais, non, mais en fait, si tu regardes, elle sort P12 ou P13, la safety. Non, je te dis une bêtise. J'ai dit qu'il me restait 16. Ça veut dire qu'elle rentrait au tour 15. Donc je me suis dit, franchement, 16 tours avec des médiums. J'avais fait 12, j'étais à 35. Je me dis, à 16, je vais les monter à 45-50. Bah, c'est jouable, tu vois. Puis je vois tout le monde en hard. Et derrière, ils ont tous repris pour mettre les médiums. J'étais en tête avec ma mochon. Pas très bien. Et puis voilà, puis après, ça s'est joué à deux tours. Hein. Je pense que deux tours de plus, il passe un GS. Mais après, c'était calculé, les médiums. Mais après, deux tours de plus, je pense que ça pourrait rester sur les médiums aussi. Ouais, mais c'est pour ça que deux tours de plus, je mettais les hardes, tu vois. C'est ça, ouais. Donc. En tout cas, El Carpeto qui est fervent envers toi et l'écurie alpine. Ah ouais, bah, ça fait plaisir. Et mais en tout cas, c'est de très très gros points pris par Alpine pour le classement général. Quand on voit que Aston Martin, comme l'avait dit Jardon juste avant, a pris 0 points et que Red Bull peut compter que sur George, un 1 et 3, c'est très gros points. Ouais, c'est super content pour Overlake. Il a galéré l'année dernière, là il revient à... On sait très bien à quel niveau il a, et là il revient à un très très bon niveau. Bon, on peut dire que c'est quand même une surprise pour cette saison. Après, le pilote était très très bon, mais il n'avait pas encore montré. Mais en tout cas, pour cette saison, c'est une très grande surprise. Je suis heureux, déjà que cette ligue était relevée, de voir des révélations comme ça encore plus. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même du panel en haut qu'on a quand même. Des gros niveaux, hein, parce que si tu vois un Overlake qui revient, Joe, Shipper, Asma, tout le monde. Hein. Mamochon qui a un très gros niveau mais qui a enlevé toutes les aides, donc c'est pas pareil. Lani qui a un très gros niveau qui a enlevé toutes les aides. Je serais pas surpris que je crois que j'avais dit 5 ou 6 pilotes qui font un victoire différent. C'est possible. Pour l'instant, j'en suis à 2 sur 3 courses. On va voir pour la suite. GG à Overlake et puis aussi un petit. Quelque chose à dire, Jardon, pour finir? Oui, je voulais te demander parce que tu nous avais dit la semaine dernière, donc hors stream, que tu n'aimais pas trop Singapour et que c'était pas ton circuit préféré. C'est le plus dur de la saison pour moi. Pour moi, c'est le plus éprouvant mentalement en fait. Ah, du coup, c'est une réussite. Troisième, c'est une réussite pour toi. Magnifique. Bravo à toi, le Brésil et a de la chance d'avoir un pilote tel que toi. Et on souhaite bonne chance pour la suite. Bah, bise les boys, ciao. Ciao, ciao. Et on va accueillir le deuxième, George.
George, incroyable. Bonjour George. Salut. Allez. Et ah, donc on accueille Overlake. Overlake, bonjour. Salut Overlake. Salut. Oh là 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 là. Incroyable cette victoire Overlake. Je t'applaudis encore, mon grand. Franchement, chapeau. Incroyable. Alors, bon, je t'augmente un tout petit peu et. Attends, ouais. Ah, attends, vas-y, parle pour moi. Ouais. Ok, hop, c'est bon, je te remets un peu. Ok, donc, comment dire. Bah, mec, résume-nous ton week-end. Résume-nous de ta qualif jusqu'à cette fin de course. Bah, qualif, franchement, je fais un très bon chrono. Je crois que je fais deuxième, ouais. Deuxième, à un dixième ouais, de Georges. Ouais, franchement, super content. Je fais une stratégie un peu osée, j'attends des safety cars, ça marche pas trop. Mais finalement une safety car là pour mettre les médiums là le deuxième médium. Et puis je finis derrière les deux autres qui ont des pénas et puis voilà. Parfait. Est-ce que oui enfin déjà oui enfin bravo parce que enfin je veux dire ne pas prendre de pénas sur Singapour, on sait que quand t'es à l'attaque des fois c'est très facile d'en prendre surtout ouais. Je pense au virage avant le tunnel à des virages un peu comme le premier virage où tu peux aller un peu plus loin ou machin. Comment dire, ça a été quoi ton, comment dire, ta motivation, enfin pas que ta motivation, mais ton état d'esprit pendant la course quoi. Bah pas prendre de pénas parce que je savais ouais à la fin qu'il allait avoir des pénas et surtout pas trop prendre de risques. Bah les murs sont proches quoi. T'as raison, hein, t'as raison. Mais ouais, j'ai vu pas mal d'abandons, je me suis dit on va finir à combien déjà. Ah bah pas beaucoup, pas beaucoup hein. 7 je crois, 7 ou 8. Vous finissez à 8. Ah bah ouais. Et Jardon, quelque chose à dire? Oui, qu'est-ce que t'as ressenti quand tu voyais que les autres devant avaient des pénalités, donc que tu devais être à moins de 3 secondes pour emporter avec toi, et que tu te rapprochais de plus en plus? Comment c'était à ce moment-là? Bah, vous voulez faire la stratégie d'équipe avec Sparta, vu que normalement il est plus rapide que moi, je voulais lui arriver à me caler entre les deux pour quand même que Sparta gagne puisqu'il est premier. Et moi j'arrive à me caler deuxième, me mettre deuxième devant GS. Mais du coup il a pris 6 secondes dans le dernier tour et puis j'ai pu vous gagner. Mais sinon j'aurais peut-être laissé la victoire à Sparta. Tu aurais laissé la victoire à Sparta? Bah j'ai tourné autour des 3 secondes, 3 secondes 1. Donc peut-être. Ah, est-ce qu'on veut, une vraie réponse. Est-ce que tu aurais laissé la victoire à Sparta ou pas si Sparta n'avait pas pris ses 3 secondes avant? Laisser, je sais pas, je suis devant lui au championnat, mais bon, je pense qu'il est plus rapide que moi sur le total de la saison. Donc, oui ou non, je veux une réponse claire, Overlake. Oui ou non, aurais-tu laissé Sparta gagner ce Grand Prix de Singapour? On va dire que je suis joueur, je l'aurais pas laissé gagner. Voilà, voilà. Overlake aurait quand même dépassé. Ok, voilà, j'avais une réponse. Alpine en PLS. Donc, mais comment dire. Un gage d'Alpine. Ah, c'est, demain, c'est go to pour l'emploi. Mais en tout cas, bon, t'as quand même une victoire, ce sera bien. Ouais, mais bravo parce que, alors, enfin, comment dire, on en parlait avec Sparta et même Jarton pendant la course. T'es quand même une vraie surprise. Pendant cette saison, dans ces places-là, je veux dire, même en qualif, on était quand même assez surpris. Hein, de... Quand on a vu la pole provisoire, déjà, on a été étonné parce que le chrono était phénoménal. Et même si George l'a battu, c'est un chrono très très rapide. Et on s'attendait pas à avoir, on s'attendait pas à te voir vraiment deuxième juste derrière George. Bah ouais, moi aussi. Quand j'ai vu mon premier tour, je me suis dit j'étais P9, je crois, un truc comme ça. Je me suis dit je pouvais remonter P5, un truc comme ça. Mais finalement, non, deuxième, j'ai fait un super bon tour. Ouais, j'aime bien Singapour, donc c'est cool. Bah en tout cas, vraiment GG à toi parce que t'es vraiment un pilote qui est là depuis longtemps et je suis content que tu aies enfin ton heure de gloire. Ouais. Vraiment bravo à toi. Et ben écoute, je veux dire, à part si t'as encore quelque chose à dire, Jardon, il dit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Let's go. À la semaine prochaine, Overlake, et continue comme ça à t'entraîner parce que t'es un très très bon pilote et tu l'as montré aujourd'hui devant tout le monde. Ouais, merci. Allez, ciao. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On va peut-être dans la loge. On va peut-être tenter Georges. Attention. Georges. Georges.
Oui. Ah, c'est bon, Oh, le bras. incroyable. Ah, Georges, bah écoute, vas-y, Jardon. Alors, Occupe-toi de lui. je voulais te demander, est-ce que déjà tu es pas trop déçu de cette deuxième place, entre guillemets? Est-ce que tu Ouais, n'aurais pas clairement. voulu faire la première? Non, mais ouais, c'est vrai, Ouais, Overlake, il a. Bah, je sais pas si vous avez vu Turn 1, il a pris sa trajectoire et il m'a complètement. Vous voyez, je dis pas qu'il je vais pas dire qu'il m'a oublié, mais il m'a carrément. Ouais, il m'a percuté, hein. Et puis ouais, j'avais l'aileron qui était cassé. Bon, après j'ai réussi encore à le suivre. C'était compliqué, mais ouais, dégoûté parce que en quelques tours je suis revenu sur lui, hein. Je l'avais pas, il y avait pas eu de problème. Mais ouais, je suis déçu. Et Après, vas-y. c'est quand même une très C'est une deuxième belle place. course que tu nous as proposée, hein. Ah C'est une ouais. deuxième place et j'ai envie de dire encore une deuxième place. Troisième fois d'affilée. C'est vrai que t'es peut-être le futur Spartan, hein, je veux dire, l'éternel deuxième, on a peut-être. Mais après, à faire deuxième tout le temps, bah maintenant t'es premier championnat, je crois. Hein, donc je veux dire, Ouais, je pense que je passe devant là. c'est. Maintenant, voilà, c'est. Faut quand même que t'aies ta petite victoire. Hein, parce que bon, avoir un champion sans victoire, on dirait un MotoGP l'année dernière, et c'est. On va l'insulter. Mais comment dire. Vraiment. Et toi, tu vas le revoir à la rediff. Je sais pas si tu regardes les rediffs, mais comment dire. Tu vas le voir. Sois plus intelligent en course. Essaie de. Après, ça va arriver à l'expérience, mais. Ouais, justement, je voulais en parler, c'est que. Sois pas impatient, mon grand. Ouais, Garde ton je sais. calme. C'est avec Overlake, j'aurais dû attendre la ligne droite. Clairement, je. Mais bon, Mais il y a le DRS, je reviens tellement avec vite. Overlake, avec tout le monde. Avec tout le monde, mon grand. Avec tout le monde. Faut que tu arrives à, comment dire, à avoir cette intelligence de course, à te dire, ok, bon, là je passe pas Sparta, ok, je colonise au moins 3 tours derrière lui, mon ERS, et tout d'un coup, un tour, je le fusille, et c'est fini, quoi. Le truc, c'est que j'avais une pénalité. Bah oui, et Et ça, alors? ça a amélioré la chose. C'est Bah, juste que je et voulais vraiment aller alors? Et vite alors? pour Tu m'échapper le plus vite. lui mets la pression pendant 3 tours à économiser, et après t'y vas, tu balances tout. Il faut que t'arrives, et là je pense que c'est sur ça que tu vas être champion ou pas, c'est faut que t'arrives à penser à plus grande échelle, il faut que t'arrives à pas penser sur le moment présent, parce que ça se voit dans ton pilotage. Quand t'es remonté, alors t'as réussi, mais quand après la safety car t'as dépassé 2 personnes, c'était ballsy, hein. C'était très très ballsy. T'as réussi, c'est très très bien, mais il faut faire attention à ça. Faut, comment dire, faut que t'arrives à. Son dépassement. T'as dit quoi? Construire Ah son oui. dépassement. C'est ça, construire son dépassement. Et des fois, construire son dépassement, c'est pas juste tout d'un coup prendre à l'extérieur un virage pour repiquer à l'intérieur, comme tu l'as fait à plein de fois. C'est construire pour des fois sur 3 tours en économisant, etc. Et je te jure que tu pourras, comment dire, tu pourras vraiment t'améliorer là-dessus. Et voilà, essaye de. Voilà, tu prends la grande carte et tu dis, ok, voilà, tu demandes à Jeff aussi, je ne sais même pas si tu as demandé à Jeff combien il avait Je de suis au tours. courant. Voilà, faut demander à Jeff combien de tours à Sparta. Tu dis, ok, le mec, il a 5 tours de plus que moi. Je sais qu'en fin de course, il va être mort, quoi. Donc, autant que j'économise et que je le défonce vers les 3 derniers tours et que je mette un maximum de secondes pour que Overlake ne me double pas, quoi. Non mais ouais, c'est vrai. Non mais après c'est l'expérience et Ah ouais je non, l'apprends, mais hein. voilà, c'est J'apprends. ton apprentissage, et je pense que c'est sur ça que va se jouer le championnat pour toi, en tout cas. Ouais. Quelque chose à te Et dire, ouais, une vas-y. dernière chose, Georges, si tu veux savoir, tu as actuellement 87 points. Voilà. Ah ok, merci. Et juste Super, il y en a en combien? second. Bah, le second, ça doit être Shipper, j'ai pas encore fait les Mais calculs, du mais coup, ouais, mais il a pas marqué de points, du 70 coup. points. Bah oui, il a 0 point, 70 Shipper. points. Du coup, ça fait que tu as 16, 15 points d'avance. Ok. Pas mal quand même, Du pas coup. mal, pas mal. On va essayer de creuser l'écart, hein. Ah, écoute, bah Portimao, ce sera peut-être ton grand prix, hein. Ouais. On En verra, on tout verra. bah en tout cas, merci Ah. beaucoup, Georges. À la semaine prochaine, et porte-toi bien, entraîne-toi bien. Ouais, à vous aussi, les gars. Allez, à plus. Ciao. Et on va À finir plus. sur le responsable de la ligue, Shipper. Le malheureux, Bonsoir. l'équipe des clowns. Bonsoir, Shipper. Bonsoir. Comment ça Va bien, et vous? va? Ah, je veux dire. Parfait. Ah. Ah!
C'est malaisant là. Ah, ah sad, comme tu dirais, même cringe. On l'a pas vu sur le live. Ah, je peux te dire qu'on a vu ta carcasse sur le live. Et qu'on a même vu ton coéquipier bouffonned contre le mur qui emmène Bouzane dans sa tombe. Non, mais vraiment, Aston Martin, les rois des bouffes, les clowns, qui, vas-y. C'est écuré des clowns, ouais. Tu t'es fait bouzamer d'ailleurs, hein, je veux dire, tu t'es fait bouzamer dans tes stands. C'est. Bah, en vrai, enfin, c'est une honte ce que j'ai fait. C'est genre, tu sors des stands. Et comme un con, j'ai pu à fond sur ma pédale. Je vais dans le mur à gauche, elle me téléporte sur la piste. Je suis mort. Fin de l'histoire. Ah ouais ? Ah oui. Ah non, mais je pensais que c'était un bug, moi ! Ah non, 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 c'est juste moi qui suis nul à chier, c'est pire. C'est genre 15 fois pire, mec, tu te rends compte, franchement, je le dis honnêtement, je pense vraiment que j'étais large au-dessus de tout le monde. Au niveau rythme. Donc là. Mais. T'es en train de me dire que chez Aston Martin, il y a quelqu'un qui a appuyé trop fort sur sa pédale et il y en a un qui a regardé derrière lui. Très bien. Et c'est ça les deux abandons. Très bien. C'est ça, mec, mais c'est... on est des clowns, genre. Oh. On est là pour mettre de l'animation avant tout. Attends, et d'ailleurs, sur ce Grand Prix, vous perdez la tête aux deux championnats, que ce soit au constructeur ou au pilote. Ouais, mais Asmod, il fait pas son taf aussi, il abuse. Non, en vrai, c'est une honte. C'est une honte. Parce que sur le qualif, ouais, j'ai décidé de partir en médium. J'aurais pu partir en soft si je le voulais et partir en pôle, mais je pense que les médiums, c'était pas une si mauvaise idée. Mais les médiums, là, tu t'es quand même bien classé avec les médiums. J'ai mis une petite amélioration sur le stream parce que je pense qu'elle mérite dans cette interview pour finir. C'est vraiment le mot pour Aston Martin. En tout cas, en tout cas, vraiment, vraiment, je pense que ce cringe est aussi cringe que vous, quoi. Vraiment, il est pixelisé à ce point. Il est vraiment, Non, mais t'imagines, premier constructeur, t'arrives tranquille, serein pour Singapour, t'as du bon rythme et tout, et tu te retrouves à 2 DNF tout seul, comme des singes. Eh, t'imagines être premier au championnat pilote et constructeur, et de se faire doubler par George et Alpine. C'est quand même. Bah après, George, il suffit que je fasse 2 P1 et puis c'est bon, il sera deuxième et je serai au devant. Mais. Ouh pour une curie de clown, c'est quand même un peu. C'est quand même un petit peu surréaliste pour une curie de clown de dire ça. Hein, waouh, on espère beaucoup pour Portimao et c'est tout. Ah ouais, c'est. Ouais, j'y attends. En vrai, quand je regarde les circuits qui arrivent, c'est que des bons circuits que j'apprécie donc ça devrait aller. Bon, en tout cas, construire cette merde. Oui. Mais ouais, j'avoue que là, c'est le maître mot cringe. En tout cas, merci à toi et je pense que tu vas te délecter au replay. Je pense que vous allez vous délecter au replay parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Et en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour ta ligue, hein, je veux dire. Voilà, parce qu'on peut le dire. Parce que, alors, l'écurie de clown, c'est une écurie de clown sur la piste, mais ces mêmes clowns sont les responsables de cette propre ligue. Hein, donc, je veux dire, on a quand même un taux de cringe assez fort. Mais bon. Est-ce qu'il ne montrerait pas l'exemple? Ah bah, en tout cas, il montre je pense qu'il montre l'exemple à la Ligue B, la Ligue B le prend bien. Hein. Mais ça, c'est. Oh, c'est grave. Ah, la VMV, c'est grave, hein, c'est ça. Mais bon, c'est. C'est le maître mot, bah, en tout cas, vraiment, merci beaucoup, Shipper. Et en tout cas, on sait que vous allez rebondir à Portimao. Et pourquoi pas une troisième victoire, pas de suite, mais en tout cas, une troisième victoire de la saison. Oh bon, ici, après, à ce mode, j'y crois zéro, mais moi, ouais, j'y crois. Allez, hop, arrêtez, parce que sinon, ça... Aïe. C'est gratuit. Ça fait mal. Ça, c'est, hop, dans les hanches. C'est pas une Nutella, non, c'est les punchlines. J'ai perdu tout espoir, moi. Ça, c'est terminé. En tout cas, merci beaucoup, Shipper, et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. En tout cas, merci beaucoup. Allez, hop, on passe au blabla, tac, boum. Merci beaucoup à toi aussi. Comment dire? Non, mais genre, attends, il faudrait que je fasse un blabla avec toi à côté. On va peut-être faire ça en 2-2 vite fait. Attends, j'aimerais ajouter. Attends, hop, plus. Pendant que tu prépares ça, tu mettrais combien à ce Grand Prix? Je mettrais combien? Ouais, quelle note? Franchement. Honnêtement, je pense que je mettrais
un 7. Après, ça sur dépend. 20? Ça est, non, sur 10, sur 10, sur 10. Ouais. Ah, moi j'aurais mis un 15 sur 20, comme Bahreïn. Un peu trop de safety car à mon goût, mais un bon Grand Prix quand même. Hop, voilà, t'es bien placé. Nickel. Oh, incroyable. Attends, faut que je mette comme ça là. Ok. Mais en tout cas, comment dire, ouais, c'est vrai que c'était. En fait, c'est que oui, il y a eu beaucoup de safety car, mais là, il y a eu beaucoup de safety car pour de bonnes causes. Entre guillemets, que par rapport à l'autre, c'était vraiment des safety cars pour de la merde. Là, il y a eu quand même une voie, il y avait quand même des carcasses de voitures sur la piste. C'est un peu, comment dire, un peu compliqué. Mais en tout cas, merci encore, Jardon. Je veux dire, tu me mets des masterclass à chaque fois. Hein. Je veux dire, tu me donnes des masterclass, c'est cool. Et en plus, maintenant, il y a, je veux dire, on se refait un high five. Vas-y, on se refait un high five vite fait là. High five the cringe. L'autre côté, l'autre côté, l'autre côté, l'autre côté maintenant. De l'autre côté. 1, 2, 3. Clac! Oh putain, incroyable! Ah, la technologie maintenant, waouh! C'est mon pote, hein. Ah, je mets ma main derrière son épaule. Voilà, vraiment incroyable! En tout cas, merci à tous! On se retrouve pour le circuit suivant à Portimao. Et sur ce, je veux dire à la semaine prochaine, Jardon. Passe une bonne À la semaine! semaine prochaine, Gary. Merci beaucoup à tous, à toutes et à tous. Ciao! Ciao.